présent pour cette cinquième représentation du Dindon de Georges Feydeau. Je vous remercie de bien penser à éteindre vos téléphones portables. Et je vous précise qu'au milieu du spectacle, nous faisons un entracte de 20 minutes qui vous permettra de profiter de notre formidable buvette qui se trouve juste en face de la salle. Excellent spectacle à toutes et à tous. Promis si souvent,
C'est-à-dire que tu le saurais trop remercier, monsieur. Ah, n'est-ce pas? Je vous dis que c'est tout à fait gentil d'être venu, et surtout de cette façon-là. Ah oui, surtout de cette façon-là. Ah, vraiment? Jérémy! Madame! Ça y est, elle se fiche de moi. Ah, mais j'y pense! Vous ne connaissiez pas ma femme! Ma chère Lucienne, un de mes bons amis, monsieur de Pontagnac, ma femme. Madame! Au fait, je ne sais pas si c'est très prudent ce que je fais là de te présenter Pontagnac. Pourquoi ça? Ah, c'est que c'est un tel gaillard! Un tel pécheur devant l'Éternel! Tu ne le connais pas? Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour. Il les lui faut toutes. Toutes? Oh, mais ce n'est pas très flatteur pour chacune. Oh, madame! Il exagère! Est-il bête de lui raconter ça? Quelle déception pour la pauvre femme qui a pu se croire distinguée et qui finit par s'apercevoir qu'elle n'est qu'additionnée. Madame, je vous répète que c'est une calomnie. Ah, si j'avais été une de ces toutes, je n'en serais pas fière. Asseyez-vous. Ça y est, elle me raille. Ah, dites donc, je crois qu'elle vous pêche. Je crois que oui. C'est qu'aussi, messieurs, il faut que vous ayez une bien piteuse opinion de nous, à voir la façon dont certains de vous nous traitent. Encore, pour ceux qui nous courtisent. Non courtisé, il est courtisan, cela témoigne au moins d'une certaine déférence. Mais pour ceux qui s'obstinent à nous suivre dans la rue, par exemple... Allons, viens, voilà autre chose. Oh mais ça, quels sont ceux qui suivent dans la rue? Les gâteux, les gigolos, les imbéciles. Choisissez. Ah madame, je ne sais pas pourquoi vous me dites... Oh, ma femme parle en général. Naturellement. Ah, bon, c'est étonnant comme il y a des gens qui ont des conversations malheureuses. Eh bien, moi, je ne sais pas votre avis là-dessus. Mais il me semble que si j'étais homme, ce moyen de conquête en ne serait pas du tout de mon goût, puisque de deux choses l'une, soit la femme m'évincerait, je me retrouverais gros Jean comme devant, pas la peine, soit elle m'aguerrirait, et cela m'enlèverait d'un coup toute envie. Oui, évidemment, ça va durer encore longtemps, ce marivaudage. Mais il paraît que ce n'est pas la vie de tous les hommes, si j'en juge par celui qui s'obstine à me suivre dans la rue. Oh, mais elle va trop loin! Il y a un homme qui te suit? Ah oui, tout le temps. Sinon, parlons d'autre chose. Mais pas du tout, ça m'intéresse. Pensez donc, un homme qui se permet de suivre ma femme. Oh, mais si discrètement. Qu'est-ce que vous en savez? Oui. Un homme qui suit une femme est toujours indiscret. Mais aussi, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? À quoi bon je tenais le galant pour si peu dangereux? Merci. Mais enfin, il fallait au moins chercher à t'en débarrasser. Ce doit être assommant d'avoir comme ça un être à ses trousses. Oh, assommant! Et puis enfin, c'est humiliant pour moi. Fallait, je ne sais pas moi, prendre une voiture, entrer dans un magasin. Mais c'est ce que j'ai fait. Je suis entrée chez un pâtissier et il est entré derrière moi. Et aussi, quand un monsieur vous suit, on n'entre pas chez un pâtissier, on entre chez un bijoutier. Pourquoi n'es-tu pas entrée chez un bijoutier? Mais j'ai essayé, il m'a attendu derrière la porte. Tiens, parbleu. Ah, c'est ça, tenace et pratique. Ah non, c'est inconcevable, mon cher, ce qu'il y a de gens mal élevés à Paris. Oui, on mal élevé, c'est plutôt... Si nous parlons d'autre chose... Non, c'est-à-dire qu'un mari ne peut plus laisser sortir sa femme sans l'exposer aux impertinences d'un polisson. Pas d'honneur! Quoi? Vous allez trop loin! Alors donc, jamais trop. Ah, oh, je voudrais qu'il me tombe sous la main, ce petit crevé. Monsieur, très facile, n'est-ce pas, monsieur Pontagnac? Sur quelle heure est-il, monsieur? Comment? Il le connaît? Mieux personne. Dites-nous donc son nom, monsieur Pontagnac. Mais madame, comment voulez-vous moi cette... Mais si. Oh, Ponta. Allons, voyons. Ponta, Ponta quoi? Ponta quoi? C'est possible? Pontagnac. Pontagnac. Vous. C'était moi. C'était moi. Oh, le farceur. Oh, mais c'est parce que je savais à qui j'avais affaire. Je savais que c'était madame Vatelin, alors je me suis dit, tiens, je vais bien l'intriguer, je vais avoir l'air de la suivre. Avoir l'air heureux. Et elle sera joliment étonnée le jour où nous nous retrouverons nez à nez chez son mari. Ah oui, taratata, vous ne saviez rien du tout. Eh bien, ça vous apprendra à suivre les femmes. Vous tombez sur la femme d'un ami et vous êtes bien avancé. C'est votre leçon. Ah, eh bien, je l'avoue. Vous ne m'en voulez pas trop, au moins. Moi, mais voyons. Oh, je sais que vous êtes un ami, par conséquent. Et puis, dans ces choses-là, n'est-ce pas, ce qui m'embête, parce qu'enfin, je suis sûr de ma femme, c'est d'avoir l'air d'un imbécile. Un monsieur suit ma femme. Je me dis, il peut savoir qui elle est. Il me rencontre, il pense, tiens, voilà le mari de la dame que j'ai suivie. J'ai l'air d'un ego. Mais vous, n'est-ce pas, vous savez que je sais. Je sais que vous savez que je sais. Nous savons, alors ça m'est bien égal, j'ai pas l'air d'un imbécile. C'est évident. Si quelqu'un peut être embêté, c'est vous. Moi? Dame, c'est toujours ennuyeux d'avoir fait un pas de plaire. Oh,
mais pas dans l'espèce, puisque ça m'a valu le plaisir de vous rencontrer. Oh, plaisir partagé, croyez-le bien. Oh, vous êtes trop aimable. Mais pas du tout. Oh, ils sont touchants tous les deux. Je suis vraiment très heureuse d'avoir été un trait d'union entre vous deux. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de présenter vos excuses à ma femme. Oh, madame, vous devez me trouver bien coupable. Laissez, vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires. Célibataire, oui, mais il est marié. Non. Si. Marié? Vous êtes marié? Oui. Un peu. Mais c'est affreux. Vous pouvez? Mais c'est épouvantable, comment se fait-il? Oh, bien, vous savez ce que c'est. Un beau jour, on se retrouve chez le maire. On ne sait trop comment, par la force des choses. Il vous fait des questions, on répond oui. Comme ça, parce qu'il y a du monde. Puis quand tout le monde est parti, on s'aperçoit qu'on est marié pour la vie. Allez, monsieur, vous êtes sans excuse. De m'être marié? Non, d'agir ainsi étant marié. Enfin, que dit madame Fontagnac de votre conduite? Oh, je vous dirais que je n'ai pas l'habitude de la tenir au courant. Eh bien, vous faites aussi bien. Si vous croyez que c'est honnête, cette façon d'agir. Oh! Oui, oui, j'aimerais bien savoir ce que vous diriez si votre femme vous en faisait autant. Ce n'est pas la même chose. Naturellement, ce n'est jamais la même chose pour vous autres, les hommes. Enfin, vous mériteriez que votre femme vous en fasse autant. Prends garde, Lucienne. Fontanienne va te prendre en grippe si tu lui fais comme ça la morale. Aussi. N'est-ce pas pour lui que je parle? Mais pour toi, dans le cas où il te prendrait fantaisie de suivre l'exemple de monsieur Fontagnac. Moi? Oui, puisque tu sais avec moi. Ah, oh, ça ne serait pas long. Vrai? Mais dis donc, ça a l'air de vous faire plaisir. Non, je dis vrai. Comme on dirait. C'est pas possible. En tout cas, je ne connais pas cette madame Fontagnac. Oh, mais je la plains. Oh, madame, qui le dites-vous? Je ne la trompe jamais sans la plaindre. Vous devez la plaindre bien souvent. Bon, j'espère au moins que maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, vous voudrez bien nous amener madame Fontagnac. Ma femme et moi serons enchantés de faire sa connaissance. Ma femme? À ça, par exemple? Mais certainement. J'en serai très heureux. Et elle aussi. Seulement, il n'y a pas à y penser. Oh, pourquoi ça? Et à cause de... ses rhumatismes. Elle est clouée par les rhumatismes. Vraiment? Oui, elle ne sort jamais. Quand ça lui arrive, c'est dans une petite voiture. Il y a un homme qui la traîne. Un âne qui la traîne? Non, un homme. Oh, mais c'est encore pire. Oh, mais je ne savais pas. Ah, combien c'est pénible. Qui le dites-vous? Oh, c'est vraiment dommage. Mais nous irons la voir, si vous le permettez. Ah, oh, mais comment vraiment? Où demeure-t-elle? À Pau, dans le Béarn. Ah, diable. C'est un peu loin. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a les express. Le midi, il lui est recommandé pour sa santé. Faut les laisser. Enfin, nous regrettons. Monsieur, c'est un marchand de tableaux qui apporte un paysage pour monsieur. Ah, mon Picasso! J'ai acheté un Picasso hier. Oui? Ah, 600 francs. Ah, c'est pas cher. Il est signé? Il est signé. Enfin... il est signé Pissoka, mais le marchand me garantit la fausseté de la signature. Vous m'en direz autant. Ah, je fais enlever Pissoka et il ne reste que le Picasso. C'est bien, faites passer dans mon cabinet, j'y vais. Vous permettez un instant, je reçois mon marchand et après je suis à vous. Tenez, je vous ferai voir mes tableaux. Vous êtes un homme de goût, vous me donnerez votre avis. C'est ça. Asseyez-vous. Je ne vous fais plus peur. Vous voyez. Oh, j'ai dû vous paraître bien ridicule. Vous croyez? Vous êtes moqueuse. Enfin, qu'espériez-vous en me suivant dans la rue avec cet acharnement? Mon Dieu! Ce que tout homme espère de la femme qu'il suit mais qu'il ne connaît pas. Vous êtes franc! C'est que si j'étais venue vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensiez de Voltaire, il est probable que vous ne me croiriez pas. Vous m'amusez. Mais... ce petit manège vous réussit-il? Il y a donc des femmes. S'il y en est, 33,33%. Eh bien, aujourd'hui, vous n'avez pas eu de chance. Vous êtes tombé sur l'une des 66,66%. Oh! Madame, ne m'en parlez plus. Vous savez, c'est un malheur, un tempérament comme ça. C'est plus fort que moi, j'ai la folle dans le sang. Eh bien, justement, monsieur le maire vous en a justement attribué une. À ma femme! Ah oui, parfaitement. Ah oui, c'est une femme charmante, je l'aime beaucoup. Seulement, elle est déjà depuis longtemps pour moi, c'est un roman que j'ai souvent feuilleté. Sans compter qu'il est peut-être plus très commode d'en tourner les pages. Pourquoi ça? Dame, c'est rhumatisme. Eh, depuis quand? Oui, c'est vous qui nous avez dit. Ah oui! Oui. À Pau, dans le Béarn, parfaitement. Hein? Eh oui. Ah oui, et vous me direz que je n'ai pas une excuse.
quand le ciel met sur ma route une créature exquise, divine. Oh, monsieur, assez sur ce chapitre. Je croyais que vous aviez fait amende honorable. Oh, madame, arbre-le, franchement, vous en aimez un autre. What? Non, mais savez-vous que vous devenez la dernière impertinence? Alors, vous n'admettez pas qu'une femme puisse être une épouse fidèle? Si elle vous résiste, c'est qu'elle en aime un autre. Il n'y a pas d'autre mobile. Mais quelle femme êtes-vous donc habituée à fréquenter? Me promettez-vous de ne répéter à personne ce que je vais vous dire? Même pas, mon mari. Je n'en demande pas davantage. Eh bien, je n'ai pas à croire que vous puissiez l'aimer. En voilà une idée. Reculez-vous. Reculez-vous donc. Ah oui, pardon. Alors certainement, c'est un excellent garçon, je l'aime beaucoup. J'ai vu ça tout de suite. Seulement, entre nous, ce n'est pas un homme capable d'inspirer une passion. C'est mon mari. Mais voilà, vous voyez que vous êtes de mon avis. Mais pas du tout. Mais si. Si vous l'aimiez, ce qui s'appelle aimer. Et je ne parle pas d'affection. Auriez-vous besoin de motiver votre amour? La femme qui aime dit... J'aime parce que... J'aime. Elle ne dit pas... J'aime parce qu'il est mon mari. L'amour n'est pas une conséquence. C'est un principe. Il n'existe, il ne vaut qu'à l'état d'essence. Vous nous le servez à l'état d'extrait. Monsieur, vous avez des comparaisons de parfumeurs. Et qu'est-ce que ça vaut, le mari? Tout le monde peut être mari. Il suffit d'être agréé par la famille. On ne demande que des aptitudes comme pour être employé de ministère. Tandis que pour l'amant, il faut... L'au-delà. Il faut la flamme. C'est... l'artiste de l'amour. Oui, et c'est sûrement comme artiste de l'amour que vous venez... Ah oui. Eh bien non, monsieur. Je vais peut-être vous paraître bien ridicule, mais j'ai le bonheur d'avoir pour mari un homme qui résume pour moi vos deux définitions. L'employé de ministère et l'artiste de l'amour. C'est rare. Donc je ne désire rien de plus tant qu'il n'ira porter... ses qualités à l'extérieur. S'il allait porter? Ah, à l'extérieur, ce serait autre chose, hein. J'irais jusqu'au bout, hein. Oh, que vous êtes bonne. Il n'y a pas de quoi. Jamais la première, mais la seconde, tout de suite. Comme je le disais dernièrement à... À une cousine qui insistait beaucoup pour savoir si je ne me déciderais pas un jour... À une cousine? Monsieur Rédillon. Cher ami, arrivez donc pour édifier monsieur. Monsieur Montagnac, Ernest Rédillon, ami de mon mari, réciproquement. Enfin, vous qui me connaissez si bien, dites que je suis l'exemple des épouses et que jamais je n'irai tromper monsieur Vatelin si il m'en donne l'exemple. Ah, comment, mais pourquoi cette question? Enfin, c'est monsieur qui voudrait savoir. Ah, c'est monsieur qui? Charmante conversation, vraiment. C'est-à-dire que je me demande si je n'arrive pas là bien en intrus. Vous? Bien au contraire, puisque je vous appelle à mon aide. Oh, nous badignons. Ah oui, c'est ça, monsieur, sans doute un vieil ami, un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, oh, je le connais depuis 20 minutes. De mieux en mieux. Mon Dieu, ma chère amie, je regrette de ne pouvoir répondre à la question que vous me posez. Mais ayant trop le respect des femmes pour aborder avec elles certains sujets de conversation que j'estimerais déplacés dans ma bouche, je me déclare incompétent. C'est qu'on dirait qu'il me donne une petite leçon, ce jeune homme. Vatelin n'est pas là? Ah si, si, en tête à tête avec un Picasso. Je vais d'ailleurs voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage. Je vous ai présenté, vous vous connaissez. Je vous laisse. Down, 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 down
comment s'appelle-t-elle? Qui ça? Votre promenade. Pupu, abréviatif de Pluchette. Ouais, délicieux. Oh, mais le cœur n'y est pour rien, vous savez. Est-ce qu'elle compte pour moi, Pluplu? Il n'y a qu'une femme à mes yeux. Il n'y en a qu'une, et c'est vous. Peu importe le test sur lequel je sacrifie, c'est à vous que va le sacrifice. Vous êtes trop aimable. Mon corps, mon moi est auprès de Pluplu, mais c'est à vous que ça va pouvoir m'avancer. Je suis auprès d'elle et je cherche à m'imaginer que c'est vous. C'est elle que mes bras en serrent et c'est vous que je crois tenir embrassé. Je lui dis, tais-toi, que je n'entende pas ta voix. Je ferme les yeux et je l'appelle Lucienne. Mais c'est l'usurpation. Mais moi je ne veux pas, elle accepte cela. Pluplu, très bien, elle se croit même obligée de faire comme moi. Elle ferme les yeux, elle m'appelle Clément. On dirait un jeu joué par les doublures. Ah, Lucienne, aïe. Vous mettrez-vous fin au supplice que j'endure? Comment direz-vous, Réguillon, je suis d'accord, mais dis-moi ce que tu voudras. Mais voulez-vous cacher? Ah, Lucienne, je t'aime. Mais voilà deux fois que mon mari vous a surpris à mes genoux. Je m'en fiche, qu'il entre, qu'il me voit. Mais en voilà une idée, mais moi je ne veux pas. Je vous disais donc, chère madame... Allons bon... Vous voulez encore par terre, vous? Vous voyez, ça va bien? Merci, pas mal. Vous ne le croyez pas, mon cher? Voilà mon ami Rédillon. Monsieur Rédillon, monsieur Pontagnac. Inutile, c'est déjà fait. Ah. Oh, je n'ai jamais vu que lui comme ça. Toutes les fois qu'il m'attend dans ce salon, ce ne sont pourtant pas les sièges qui manquent. Je ne peux pas y entrer sans le trouver assis, le derrière par terre. Ah, je vais vous dire, c'est une habitude d'enfance. J'adorais me rouler. Alors maintenant, chaque fois que je vais dans le monde, plutôt que de me tenir debout, eh bien, je me roule. Mais quelle drôle d'habitude! C'est pas possible, vous avez dû avoir une grand-mère qui a reçu un regard de cul de jatte. Très drôle! C'est très drôle! Ah. Nature de cocu, va. Mon mari vous a-t-il montré ses tableaux? Ah, je crois bien, il a été enchanté. Il m'a dit, les musées n'en ont pas de comme ça, n'est-ce pas? Oui. Oui, heureusement. Ah, tenez, j'en ai encore par là, si vous voulez. Non. Pas toutes les joies le même jour, hein. Je préfère en garder pour une autre fois. Ah, oh, c'est vraiment dommage que cette pauvre madame Poutanel soit dans cet état. J'aurais été fière de lui montrer ma galerie. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Ces rhumatismes à Pau, dans le Béarn. La petite voiture, mais... Ah, pauvre oui. Nature humaine. Ah oui. Madame Pontagnac. Hein? Mon petit bonhomme, ma femme? Votre femme? Hein? Oui, non, il faut croire. Mais nous n'y sommes pas. Dites que nous n'y sommes pas. Mais au contraire, faites entrer. Oui, je dis bien, faites entrer. Mon cher ami, madame, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard, si ma femme vous fait des questions, pas un mot, hein. Ou plutôt, dites comme moi. Je vous demande pardon, messieurs, madame. Ah, ma chère amie, quelle charmante surprise. Justement, je m'en allais. Allons dire au revoir à messieurs, madame, que voilà, et allons-nous-en. Hein? Mais pas du tout, en voilà une idée. Mais si. Oh, mais non. Mais laissez tout, voyons. Et voilà, je l'ai. Ah, mon Dieu. Je vous demande pardon, madame, de venir ainsi chez vous sans avoir eu l'honneur de vous être présentée. C'est moi, au contraire. Ah, croyez bien que certainement... Mais vraiment, il y a longtemps que j'entends parler de vous par mari. Vraiment? Ah, c'est gentil, ça, Pontagnac. Que je me suis dit, cet état de choses ne peut pas continuer. Des amis si intimes, dont les femmes ne se connaissent pas. Si intimes? Ah, vous pouvez dire que mon mari vous aime. C'est-à-dire que j'en ai arrivé à devenir jalouse. Tous les jours, la même chose. Où vas-tu? Chez les Vatelans. Et le soir, où vas-tu? Chez les Vatelans. Toujours chez les Vatelans. Comment chez les Vatelans? Mais oui, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, cet étonnement? N'est-ce pas que je viens toujours chez vous? Tu n'as pas vu Zagari, non? Tiens, moi, Zagari. Allez, tiens. Ça vous l'a fait? C'est moi, Zagari. Tiens. Mais non, voyons, mais qu'est-ce que tu as donc? Mais je n'ai rien. Qu'est-ce que tu veux que j'aie? Seulement, tu vas dire à monsieur et madame Vatelin que je viens tous les jours chez eux, ils le savent, que je viens tous les jours chez eux, hein? Je comprends. N'est-ce pas que je viens tous les jours chez vous? Ah oui. Je l'y ai même rencontré. Là, tu vois? Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Tu vois? Oui. Oh, pauvre Pontagnac, il me fait de la peine. Attendez,
Je vais vous tirer de là. Merci, monsieur. Ah, croyez même, madame, que mon ami Pontagnac, dans ses fréquentes visites, me parlait souvent de vous. Ah, vraiment? Et qu'il y a longtemps que je lui aurais demandé de me présenter à vous, si je n'avais pas su que vous étiez à Pau. À Pau? À quoi Pau? Où ça, Pau? Hein? Qui vous a parlé de Pau? Ben, comment qui m'a parlé de Pau? Mais oui, qui vous a parlé de Pau? Ah non, Pau. Ah, ah, je dis Pau. Ah, je veux dire, si j'avais su que vous étiez... Que vous étiez... Mais nulle part! C'est ça, que vous n'étiez nulle part! Alors, taisez-vous donc. Ah, je veux bien, je ne sais plus ce que je dis. Oh, le monde de l'on patauge. Décidément, je commence à croire que mes soupçons ne me trouvaient pas. Oh, mais monsieur Vatelin, ne vous excusez pas, je savais que je n'aurais pas compté sur votre visite. Mon mari m'avait mise au courant de votre état. De mon état? Mais oui, étant berclé de rhumatisme. Ah, ah, vous? Moi? Oh non, vous, puisqu'on est obligé de vous traîner dans une petite voiture. Permettez, c'est vous? Oh non, c'est vous! Mais non, c'est vous! Mais quoi? Oh, oh, oh. Hein? Mais vous, pas besoin de faire de coquetterie pour ma femme. Ah, c'est moi? Oui. Ah bon, bon. Alors moi aussi. Mais pas vous aussi! Soigné et ça coûte beaucoup moins cher. Eh bien, nous, pendant ce temps-là,
pas moi qui croyais. Oh, vraiment, ma chère amie, monsieur Durignon. Raide. Oh, Raide. Pardon. Oui, oui, enfin, raide, dur, c'est la même chose. Monsieur. Raidillon. Madame Tania, quoi. Nous avons eu le temps de faire connaissance. Enfin, elle donne à dîner tous les dimanches. Vous voulez être de la partie? Absolument. C'est étonnant, ma parole. Tout à l'heure, c'était l'amant, il me battait froid. Sa femme arrive et le mari reparaît. Ils sont tous les mêmes. Il y a là une dame qui demande monsieur. Moi? Qui ça? Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois cette dame. C'est une dame. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Ah, ma chère amie, ça? Vous auriez dû demander le nom. Elle est jolie. Eh bien, Jeanne, qu'est-ce que c'est? Oh, je t'en prie, ma chère amie, ce n'est pas notre domestique de donner son avis sur les gens qui viennent me voir. Vous avez dit que j'y étais? Oui. Elle attend dans le petit salon. C'est bien qu'elle attende, je la recevrai. Allons, monsieur Vatelin, je vois que vous avez affaire. Je ne veux pas abuser de vos moments, surtout quand vous avez une dame à recevoir. Oh, quelques clientes, ça ne presse pas. Ce n'est évidemment pas l'homme qu'elle vient voir, c'est l'avoué. Mais je l'espère bien. Au revoir, madame. Et bien heureuse, monsieur... Rédillon, dis cette Martin parfaitement. C'est ça. Prends note, mon ami. D'ailleurs... Je descends avec vous, j'ai quelques courses à faire. Au revoir, madame. Au revoir, ma lycienne. Au revoir, vous. Allons-nous-en, allons-nous-en. Madame, je mets ma femme chez elle et je reviens vous donner l'explication de ma conduite. Tu viens? Voilà, voilà. Et maintenant, marche-toi, mon bonhomme. Veux-tu me laisser, ma chère amie, que j'expédie cette personne? Mais absolument, à tout à l'heure, mon copain. Monsieur a sonné? Oui, introduisez cette dame. Si vous voulez prendre une chaise, madame. Oh! My love! Hein? Qu'est-ce que c'est? Madame Sardignac! Maggie! Vous! Moi-même! Vous, vous ici, mais c'est de la folie! Pourquoi? Eh bien, et Londres! Oh, je l'ai quitté! Et votre mari? J'aime Louis ici, il venait pour affaire à Paris. Alors bon, mais qu'est-ce que vous venez faire? Comment? Ce que je viens de faire? Oh, ingrat. Oh, you naughty thing. How can you ask me what I have come to do here? Here is a man for whom I have sacrificed everything. My duties as a wife, my conjugal faithful. Oui, oui. I leave London, I cross the sea, all this to reach him. And when at last I find him, he asks me, what have you come here for? Oui, mais ce n'est pas ça que je vous demande. Vous me parlez anglais, je ne comprends pas un mot. Comment êtes-vous ici? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Il demandait qu'est-ce que je veux. Mais je veux... Vous. Moi? Oh oui. Parce que je vous aime encore, moi. Dear me, who truly vous, j'ai quitté London. J'ai traversé le Manche qui me rend bien malade. J'ai eu le mal de mer. J'ai rendu. Comment tu sais? Ah oui, ça suffit. Non, hein? J'ai rendu l'âme. Mais ça m'est égal. Je me disais... Oh, je veux voir Louis. Et je suis là pour 8 jours. 8 jours. Une semaine. Une semaine? Vous êtes là pour une semaine? Oh oui, une semaine, tout pour vous. Pourquoi vous n'avez pas répondu mes lettres? Je me disais déjà, oh, mon crépine ne me aime plus. Mon crépine ne me aime plus. Oh, si vous aimez encore moi. Oh, crépine, tell me you love me. Oh, mais oui. Quand je suis arrivée cette matin, j'ai tout de suite écrit à vous. Et puis, j'ai pas envoyé la lettre. Je me suis dit, il répondra peut-être pas à moi. J'ai jeté la lettre à la panier. J'ai pris un cab. Comment disait? Un tacot pour venir. Comme il est difficile. La rue que vous trouvez, je sais pas. Le cocher ne comprenait pas le français. Il ne voulait pas me conduire. Ah, brave cocher. Je disais, cocher. Allez, rue Trémol. Il répondait, connais-vous. Rue Trémol? Ah oui, oui. Maintenant, croyez-vous que si vous aviez dit tout simplement rue à Trémoille? Eh bien, je dis rue Trémol. Oui, parfaitement. Alors, Crépine! Vous bien je vais me voir cette soirée? Hein? Oh, permettez! Oh, dis pas non. J'ai trouvé cette matin une petite fraîche, je sais, toute meublée, comme je disais à vous dans la lettre que j'ai fait à la manière, 48 rue Roquepine. Vous êtes descendu rue Roquepine? Oh non, avec ma mari à l'hôtel Catherine. Mais le fraîche, je sais, c'est pour nous deux. Je l'ai loué, et vous bien je vais me voir cette soirée. Moi? Ah non, par exemple! Non? Pourquoi non? Parce que c'est impossible! Est-ce que je suis libre? J'ai une femme, moi! Je suis marié, moi! Vous êtes marié? Mais dame! Oh, à London, vous disiez que vous étiez veuf.
Comment, bœuf? Bœuf. Oh, bœuf, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose, merci. Le bœuf, il peut recommencer. Tandis que le bœuf... Pourquoi vous m'avez dit? Ben oui, j'étais bœuf, puisque j'avais laissé ma femme à Paris, c'est une façon de dire. Ouais, c'est fini ensemble. Mais voyons, rendez-vous compte. Et vous réaimerez moi plus jamais? Si, quand j'étais à Londres, là. Mon crépine ne me haine plus. Mon crépine ne me haine plus. Mais taisez-vous donc, ma femme peut vous entendre. Mais ça m'est égal. Oui, mais pas à moi. Oh, certainement, je suis très touché. Mais enfin, ce roman ébauché à Londres n'avait jamais dû être éternel. Chef du BP, votre connaissance pendant la traversée, vous aviez le mal de mer. J'avais le mal de mer. Nos deux cœurs étaient si troublés qu'ils étaient faits pour se comprendre. Ils se comprirent. À Londres, vous vinte me voir tous les jours à mon hôtel. Je fis la connaissance de votre mari avec qui je me liais, et ce qui devait arriver arriva. Eh bien, contentons-nous de nous rappeler ce moment-là, sans essayer de le recommencer. Aussi bien ici, je n'en ai pas le droit. Là-bas, j'avais une excuse. J'avais un bras de mer entre ma femme et moi. Mais si je ne l'ai plus. Eh bien, faites comme moi. Ayez l'abnégation que j'ai. Oubliez-moi, il y a d'autres beaux hommes que moi à Londres. Ah non, non. Je ne pouvais pas. Je suis une femme fidèle. J'ai eu un amant, je n'en aurai pas d'autre. Alors, voyons, fidèle, oui, jusqu'à un certain point, car enfin votre mari... Non, non, une seule mari, un amant seul. Bien, bien, si c'est un principe. Alors, Crippin, vous ne voulez plus moi. Mais voyons, un peu de raison. Well, well. Adieu, Crippin. Oh, adieu, chère madame, adieu, par ici. Je me doutais de cette chose, quand je ne recevais pas de réponse à mes lettres. Aussi, j'ai préparé un écrit à ma mari. Je vais l'envoyer à lui. Goodbye, dear. Forget me. I am only a guilty wife who has nothing left but death. I have been Mr. Batman's mistress, 28 Tremel Street, who has forsaken me, and now I shall kill myself. Eh bien, ça me paraît très bien. Comment voyez-vous ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas? Adieu, chère. Oublie-moi. Je ne suis qu'une femme coupable qui n'a plus qu'à mourir. Hein? J'ai été la maîtresse de Monsieur Vatelin, 28 rue Tremel. Un point de Monsieur Vatelin? Eh bien, voilà une idée. Et avec mon adresse. Il m'a plaqué, moi? Yes? Et je me suicide. Mais c'est fou, voyons-vous, Maggie, vous n'en ferez pas cela. Oh, yes. Mais jamais de la vie. Ah, oh, vous tuez-vous. Et mon nom, mon adresse? 28 rue Tremel, oui. Bien, voilà une affaire. Oh, Maggie. Ma petite Maggie. Il n'y a plus de petite Maggie. Mais c'est insensé, voyons. Maggie, vous ne ferez pas cela. Alors, vous viendrez me voir cette soir, 48 rue Rockabye. Et puisque je vous dis que je ne peux pas, quel prétexte donner à ma femme? Non. Eh bien, je me suicide. Ah, mon Dieu. Eh bien, oui, là, j'irai. Yes. Ah, dear me, et vous rehaimerez moi? Et je rehaimerai vous, là! Ah, Crippin, comme je suis content! Crippin, je te aime! Mon crampon! Tu pouvais pas rester à Londres? C'est un monsieur qui demande si monsieur est visible. Qui ça? Monsieur Saint-Dignan. Ma mari! Oui! Ah oui, tout de suite, je suis à lui! Qu'est-ce qu'il vient faire? Je sais pas, vous poursez la main puisqu'il est à Paris. Ouais, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il vous voie! Tenez, filez par là! À cette soirée. Oui, c'est entendu. Rockabye. Oh, Rockabye, allez, allez. Oh, allez, allez. Oh, you wicked thing, I love you. Oh, les conséquences d'une faute. Dire que je n'ai trompé ma femme qu'une fois depuis que je suis marié. Et j'étais excusable puisque j'avais le bras de mer. Eh bien, voilà. Cette dame est partie. Oui, oui. Qui a sonné? Un ami que j'ai connu à Londres. Monsieur Saint-Dignac. Hey! Bonjour, cher ami. Comment vous va? Ah, mais oh, très bien, et vous? Ma chère Lucienne, monsieur Saint-Dignac. Monsieur? Madame, sans doute. Très bien, très bien. Mon cher ami, je ne viens qu'un instant, je suis pressé. Business is business, comme nous disons en Angleterre. Je viens pour vous serrer la main d'abord, et puis à cause de mon femme. Elle va bien, madame Saint-Dignac? Oh, très bien, merci. Justement, c'est pour elle que je viens.
Mon cher ami, j'ai appris une chose. Vous allez être bien étonné. Je suis Cocu. Coco? Non, pas Cocroi, Cocu. Madame Solignac Patrol, si vous préférez. Hein? Je crains d'être indiscrète, je me retire. Oh non! Ça m'est égal, je suis très philosophe. Seulement j'ai des affaires. Business is business, comme nous disons en Angleterre. Voilà. Cet matin, j'ai mis la main sur la porte rose. J'ai trouvé cette lettre dans le panier de mon phare. Oh non, d'un petit bonhomme! La lettre qu'elle m'écrivait, pourvu qu'elle ne m'ait pas nommé. My lord! Oh lord, non, ce n'est pas moi. Je suis à Paris. Nous allons pouvoir nous réaimer. Vous comprenez? Oui, oui. Ce soir, ma Marie. C'est moi. Passe ton soirée tard à les affaires. Je suis seul. Viens me retrouver 48 rue Recopine, au rez-de-chaussée. Je vous attends. Maggie. Qu'est-ce que vous en dites? Oh mon Dieu! Oh, vous savez, il ne faut pas trop. Comme ça, à première vue, peut-être qu'au fond, il n'y a rien. Allons, et donc, et nous verrons bien, ce soir, entre des affaires, j'ai couru au commissaire de police. Et je ne sais pas quels billets sont my love, mais je les fais penser tous les deux, cette soir, 48 rue Recopine. Sapristi, eh bien, il fait bien de venir me prévenir. Hein. Et n'est-ce pas, madame? Oh, moi, vous savez. Oui, et alors, je divorce. Comment? Vous voulez divorcer? Oh oui, je serais très content. Elle m'embête, mon femme. Alors, je viens vous voir comme avoué pour que vous prépariez tout de suite toutes les pièces pour les divorces. Moi? Oui, parce que je suis pressé. Mais ça n'est pas mon affaire. Comment voulez-vous que... C'est à Londres que vous devez... Ah, mais non, je suis pas de Londres, ah, moi. Non, je suis de Marseille. Oui, Narcisse Solignac de Marseille. Seulement, j'ai été élevée toute petite en Angleterre. J'ai toujours des trucs pour mes affaires. Et je me suis mariée. Et par conséquent, devant les consulats français, je pouvais préparer les pièces. Ah. Alors, il faut que... Évidemment, mais puisque je suis français. Oui, oui. C'est convenu. Je vous demande de pardon puisque je suis pressé. Et puis après tout, qu'est-ce que je risque? Eh bien, c'est entendu. Seulement, tout cela est soumis à une condition essentielle, c'est que vous surpreniez votre femme et son complice. Oh, mais naturellement! Mais puisque je les pince tous les deux, cette soir, 48 euros qu'il pique. Oui, oui, pas si belle que tu nous y trouves, hein. Oh, et quant au monsieur de ce soir, quand je l'aurai entre les mains, je me réserve pour mon plaisir de lui donner une petite leçon de boxe. Ah, c'est fort, hein! Et moi, très fort. Ma femme aussi, je lui ai tout appris. Une fois, je me suis battu avec le premier champion de Londres. Je lui ai flanqué une de ses tatouilles, comme nous disons en Provence. Il a reçu un tel coup de poing qu'il en a traversé la main. Oh, je vous assure, le soir même, par le premier pas. Ah bon? Vous avez une façon d'accommoder vos récits à la provençale. Oh, que voulez-vous, si j'ai pris le flegme anglais? Je garde tout de même la nature de mon pays. Même à travers mon brouillard de Londres, je retrouve toujours un rayon de soleil. Midi. Oh, vous êtes poète. Oh non, je n'ai pas le temps, je suis pressé. Business is business, comme nous disons en London. Au revoir. Oh, et quant au monsieur de ce soir. Voilà. Au revoir. Oh, pardon. Oui, bonjour, monsieur, je suis pressé. Oh, Pontagnac, qu'il arrive bien. Veux-tu accompagner monsieur Solignac? J'ai un mot à dire à Pontagnac. Mais parfaitement. Oh, rien, un anglais de Marseille. Ah, vous tombez bien. Mon cher Pontagnac, j'ai un service à vous demander. Moi? Oui, dans ma home. J'ai ce soir un rendez-vous avec une dame. Oh! Ah, je tombe des nues. Ah, c'est comme ça. Ah! Vous trompez de votre femme. Eh oui, il y a des circonstances où un mari est quelquefois obligé. Oh! Il trompe sa femme et c'est à moi qui vient le dire. Alors voilà, nous avions rendez-vous dans un endroit où à l'heure qu'il est, des raisons... particulière, mais impérieuse, vous empêche d'aller. Vous qui êtes dans le mouvement, vous ne pourrez pas m'indiquer un hôtel où je pourrais... Oh, mais si, le Grand Hôtel, le Continental. Oh, l'Ultimus, toujours là où je vais, très commode, plusieurs sorties. Il faut envoyer une dépêche maintenant pour que vous ayez une chambre pour ce soir. Oh, merci, cher ami, merci. Je vais télégraphier immédiatement et à la personne également pour l'avertir et lui dire de demander la chambre à mon nom.
Mais, votre femme... Oh, ça, ce n'est pas difficile. Ma profession m'oblige souvent à m'absenter de Paris. Je dirais que je suis appelé en province pour... un testament, une vente après décès, n'importe quoi. C'est ça. Ah, je vous laisse, je vais télégraphier. Tu trompes sa femme. Oh, bonheur. Drôle de tout cet anglais. Oh, le ciel. Non, pardon, madame. Vite, venez. Eh bien... Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je... Non, je ne peux pas. Eh bien... Oh, et puis après tout, Madeleine n'est pas mon ami. Je ne lui dois rien et puis l'amour avant tout. Eh bien, c'est tout. Eh bien, vous n'avez qu'une parole, n'est-ce pas? Vous avez bien dit. Je ne tromperai jamais mon mari, mais si je m'en donne l'exemple, je lui donne l'appareil immédiatement. Oui, j'ai fait ça. Voilà. Eh bien, j'ai la preuve. Vous mentez. Ben, je mens. Ce soir, votre mari, avec une femme. Ce crépin. Oui, ce crépin-là. C'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Enfin, il en serait capable. Oh, si vous me montrez ça. Oh, eh bien ce soir, je viens vous chercher. Et puis, je vous emmène sur la scène du crime. Vous voulez? Oui, je veux. Oh. Oui. Oh, lui, du calme. Oh, ma chère amie, te voilà. Eh bien, il m'en tombe une tuile. Allez, vas-y, mon garçon, vas-y. Une dépêche, figure-toi. Oh, une dépêche qui me force à quitter Paris, ce soir même, par le train de 8h. C'était vrai? Et à aller à Amiens pour l'ouverture d'un testament. Oh, gros homme, tu peux pas te faire remplacer par un de tes clercs? Oh non, impossible. On désire que j'assiste en personne. Ah, eh bien, va. Business is business, comme dit ton ami. Évidemment. Ah, je suis bien contrarié. Tartuffe, va. Non, je te donne mon pardon. Des dépêches à faire porter. Eh bien, êtes-vous édifié? Oh oui, le misérable. Lui que je croyais en un mari fidèle, le voilà comme les autres. Oh, mais si vous avez la preuve de ce que vous avancez, oh, je vous le jure bien qu'une heure après. Oh, je serai vengé. Oh, c'est un peu calais ce que je fais là. Mais bon, j'ai une excuse pour avoir sa femme. À ce soir! À ce soir!
La gérante m'a dit de dire à madame qu'elle allait monter dessus. Et tu lui as parlé pour le changement de chambre? Oui, et sa vie d'ailleurs, la femme de chambre lui a dit. C'est rien. Merci, petit. Il est gentil, celui-là. Avance un peu. Madame! Quel âge as-tu? 17 ans! 17 ans, mais tu es gentille, tu sais! Oh, madame! Oh, ben, ça te fait rougir! Ah! Il paraît même que ça te fait plaisir! Oui, regarde, madame! C'est bien, je n'en dédie pas. Tu es très en... Bah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon petit, je ne t'embête pas! Je n'ai pas blessé madame. Non, pas trop, il y a des impertinences qui ne blessent pas les femmes. Madame ne me dira pas la gérante, ça me ferait flanquer à la porte. Oh là là, mais si j'étais méchante. Alors, c'est que quand j'ai senti la main de madame, si chaude, si douce sur ma joue, ça m'a donné comme un tremblement. Tout s'est vite à tourner. Songez, madame, que j'ai 17 ans. Et depuis que j'ai 17 ans, je m'en sors pas. Ah, je tenais que j'en ai des clous qui m'en poussent. Oui, madame, là, en là, dans le cou qui commence. Je l'ai montré à un médecin qui a quitté l'hôtel ce matin. Il m'a dit, ma bonne, c'est la pure. Mais je parais que je lâche des mains. Bah oui, oui. Alors quand madame est venue comme ça, oh madame, ne m'en veux pas. Non, pas du tout. La preuve. J'ai un petit quelque chose pour toi. 3 francs. 3 francs? Bah oui, c'est pour toi. Comment? Oh non. Pas de madame. Pas de madame. Quel voyou. Moi qui en donnerais bien cet aveu pour eux. Pour rien, madame, voilà la gérante, madame! Pauvre gamin! Madame m'a fait demander. Ah oui, c'est pour la chambre, savoir ce qui a été fait. Mais c'est entendu, madame, on vous en donnera une autre sur le devant. Ah bah oui, parce que c'est navrant ici. Et vous comprenez, si je dois rester une dizaine de jours le temps qu'on emménage mon nouvel appartement. Ah, mais ça se comprend, madame! Bah, mais il me semble. Alors n'est-ce pas, si ça ne vous gêne pas? Mais c'est-à-dire que madame voudrait même conserver sa chambre alors qu'il est que je ne pourrais pas la lui donner? Elle a été loin tout de suite. Oh, mais ça se trouve bien. Et quel est l'heureux qui me succède? Ah, monsieur Batelin, qui a été gracieux ce matin pour retenir une chambre et à qui j'ai réservé celle-ci. Batelin? Elle connaît pas? Oui, bon, d'ailleurs, ça m'est égal. Et alors? Et alors, nous donnerons à madame, si cela lui convient, le 17. C'est sur la rue. Oh, bon, si vous me dites qu'elle est bien. Moi, ce qu'il me faut, n'est-ce pas, c'est une pièce qui soit un peu grande et confortable. De façon à ce que si je reçois un ami ou un autre, et qu'il lui arrive de vouloir rester un soir. Ah, madame n'est pas seule. Bon, bon, bon. Oui, 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 je comprends. Madame voudrait une chambre ou un besoin. Oh, mais alors je vais donner à madame le 23. Il fera bien mieux l'affaire, il est à deux lits. À deux lits? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de deux lits? Est-ce que vous voulez me couvrir de ridicule? Comment, madame mère? Est-ce que vous vous imaginez que j'en vais des spectateurs? Non, madame. Je pensais que pour monsieur, l'ami de madame... Le deuxième lit? Eh bien non, il en fera une bobine. Non, 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 j'aime le 17. Bien, madame. Vous enverrez quelqu'un pour transporter ma malle. Oui, madame. Monsieur? Oui, madame, voilà. C'est ici, monsieur. Je vais voir, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Un monsieur pour madame. Oui, mais quel monsieur? Je ne sais pas, je vais demander. Pas la peine, qu'il entre, je verrai bien. Bien, madame. Si monsieur veut entrer...
Très bien. Vous permettez? Quoi? Ça fait du bien. Mais t'es pas long, tu m'aimes donc? Oui. Comment tu t'appelles? Ernest. Mais Ernest, quoi, tu as bien un autre nom? Ah non! Ton père ne t'a pas reconnu? Si. 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 Rédillon. C'est bête ce nom-là. Ah, il y a ce longtemps qu'on le porte dans ma famille. D'ailleurs, ce n'est pas le nom qui fait l'homme, n'est-ce pas? Regarde-moi. Tu es jolie, tu sais. Mais tu ne sais pas ce que je te trouve. Non. Tu ressembles à mon amant. Qu'est-ce que c'est que ton amant? Mais comment ce que c'est que mon amant? Mais c'est un type très chic, tu sais. C'est le baron de Schmitzmeyer. Et qui c'est cet homme-là? Mais comment, qui c'est? C'est Schmitzmeyer qui monte en steeple. On ne connaît que lui. Il a gagné tant d'argent dans cette émission. Comment donc, déjà? Mais si, tous les journaux en ont parlé. Bon, ça ne vaut plus un clou aujourd'hui. Il y en a tant. Mais si, sa sœur a épousé le duc. Non mais dis donc, je suis pas venu ici pour entendre la généalogie de ton amant. Oh là là, le pauvre garçon, il fait ses 28 jours en ce moment. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Eh bien tant mieux, à la caserne, à la caserne. Oh, ma petite Armandine. Quoi? Tu sais, j'ai vu tout de suite que tu me faisais de l'œil hier au théâtre. Oui, da. C'était Plu-Plu qui était avec toi dans la loge. Oui, tu la connais? Oh, eh bien, je la connais comme elle me connaît, de vue. C'est une femme chic. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de toi. Ah! Mais qu'est-ce que tu veux, le monsieur d'une femme chic? Il n'y a pas assez stimulant. Oui, da, alors c'est à Plu-Plu que je dois... Mais ne va pas lui dire tout ça, au moins, si nous devons... T'es bête. Ah non, ah non, 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 ou alors il n'y a rien de fait. Parce que je ne voudrais pas lui faire une saleté. Mais ne t'en fais pas. Héritement bien fait, tu sais. C'est à toi tout ça? Mais dame, à qui veux-tu que ce soit? Mais, aïe, à moi! Mais comment tu me les rendras? Aïe, bien sûr! Parce que Kiki ne serait pas content. C'est monsieur Schmitzmeyer! Non mais dis donc, si tu ne parlais pas tout le temps pour Schmitzmeyer! Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il m'aime lui? Tu ne sais pas ce qu'il me dit toujours? Je t'aime parce que tu es bête! Mais n'est-ce pas que je ne suis pas bête? Mais non, tu n'es pas bête. Oh, ma petite Armande. Oh, mon petit. Comment donc déjà? Ernest. Oh, mon petit Ernest. Tiens, viens sur mes genoux. Déjà? Oui, déjà. Aïe. Oh, Lucienne, ma Lucienne. Hey, comment ça, Lucienne? Mais non, oui. Enfin, je m'appelle pas Lucienne, je m'appelle Armandine. Mais oui, Lucienne, laisse-moi t'appeler Lucienne, qu'est-ce que ça peut te faire? J'aime mieux ce nom-là. Oh, mais je suis drôle. Oh, Lucienne, Lucienne. Tiens, en fait, ça me rappelle une fois. Non, ça ne te rappelle rien. Lève-toi, regarde pas et embrasse-moi. Oh, Lucienne, laisse-toi, espère-toi. Ah, non. Oh, mais tu veux pas te taire, voyons. Oh, Lucienne, dis-moi que c'est toi. Qui est là? Oh, Lucienne, Lucienne. Oh, tais-toi donc aussi, il n'y a pas moyen d'entendre. Qui est là? Quel mal! Eh bien, la mal qui est là, passé du grand turc! Eh ben, dis donc, en voilà une façon de me parler! Je vais vous faire voir, moi, si c'est passé du grand turc! Mais enfin, ne lui parle pas comme ça! Il est très gentil! Enfin, je veux bien, mais je lui apprendrai à me parler poliment! Non, 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 ça ne vaut pas la peine! Donne-lui 100 sous! Hein, comment, après la façon? Tu ne vas pas me refuser de lui donner 100 sous! Bah, bien sûr, ce n'est pas pour les 100 sous, mais enfin. Tiens! Merci! Cochon! Voilà comme je suis! Je vais chercher la femme de chambre pour qu'elle m'aide à porter la main! Petit. Au moins, il saura ce qu'il lui en coûte de me parler impoliment. Non, mais il ne faut pas lui en vouloir en ce moment. Il est malade. Il est malade? Mais qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas bien ce que c'est, mais il paraît qu'il a de la puberté. De la puberté? Oui, c'est le médecin qui lui a dit ce matin à l'hôtel. C'est grave? C'est grave? Oh oui, oui, c'est très très grave la puberté. Oh là là, mais ça ne se gagne pas au moins. Oh non, sans cela... Plein de Christy qui vaudrait de l'argent. Un virus qui vaudrait de l'argent. Tenez, aide-moi. Ça te mal-ci? Oui, à la décembre 17. Ah, le sac. Derrière le lit, le sac. Tu déménages donc? Oui, j'ai demandé une nouvelle chambre, celle-là ne me plaît pas. J'en ai demandé une sur la rue. Oh, je ne vois pas ce qu'il y a de plus agréable là sur la rue, mais allons pour la nouvelle chambre. Bah nous? Mais pourquoi faire? T'es bête. Ah non, 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 mon ami, non, pas ce soir.
Oh, mais tu crois que je vais m'en aller comme ça, moi, le bec dans l'eau? Mais enfin, j'attends un ami à 11h. Et qu'est-ce que c'est que cet ami? Tu ne le connais pas, c'est un monsieur de Londres, monsieur Soldignac. Et alors, à chaque fois qu'il vient à Paris... Ah, mais c'est dégoûtant ce que tu me dis là. Mais enfin quoi, puisqu'il va venir? Ah, mais si tu... N'y sois pas. Viens chez moi. Chez toi? Mais oui, chez moi. Viens chez moi, tu crois que j'habite sous les ponts? Non, mais que lui dire à lui? Eh ben, tu lui diras que tu as réveillé ta mère qui est très malade. Ça prend toujours. C'est pas chic. Mais si, c'est très chic. Viens, prends ta veste et je t'emmène. C'est pas chic, mais ça me tente. Entrez! Je demande pardon à monsieur et madame de les déranger, mais les voyageurs qui ont loué cette chambre sont là, et alors? Vous voudriez que nous cassions? Oh, je ne me permettrai pas! Mais je finis de mettre ma veste et prier ce monsieur, comment donc déjà? Batelin. Batelin? Oui, de m'accorder une minute. Comment Batelin est ici? Mais faites-le entrer, je serai enchantée de lui serrer la main. Bah, tu le connais? Mais je ne connais que lui. Oh. Monsieur et madame veulent entrer. Ah, mon cher ami, ce n'est pas le même. Désolé, monsieur! Madame, de venir ainsi vous déloger, Pristi, la belle femme! Mais j'avais retenu télégraphiquement une chambre pour ce soir à cet hôtel. Et comme vous pouvez le voir par cette dépêche, retenue pour vous chambre 39, c'est celle-ci qui m'a été désignée. Mais c'est moi, monsieur, qui m'excuse de l'occuper encore, mais nous préparions justement à la quitter. Oh, mais prenez votre temps, madame, je serais désespérée de déranger le moins du monde. D'autant plus que quand il y en a pour deux, il y en a pour quatre. Vous êtes très galant, monsieur. Mais du tout, madame. Je vous fais mes compliments, monsieur. Vous avez une bien jolie femme. Je changerai bien avec la mienne. Hein? Comment? Oh, carrément. Et je ne crains pas de le dire devant elle. Comment, ça lui est égal? Oh, c'est pas que ça lui soit égal, mais elle est sourde comme un pot. Je vous en prie, madame. Ne vous dérangez pas pour nous! Oui, oui, c'est précisément ce que monsieur, votre mari, a eu l'amabilité de nous dire. Oh, mais nullement, madame, nullement! Vous avez compris? Non. Moi non plus! C'est un peu incohérent ce qu'elle vous répond, mais ça vient de ce qu'elle n'a pas entendu un mot. Et mon mari aussi! Voilà, il faut s'y faire. Moi, depuis 25 ans, vous comprenez. Car il y a aujourd'hui 25 ans que nous sommes mariés. Et c'est même pour fêter cet anniversaire que nous sommes à Paris. Je la conduis à l'opéra. Tu conduis la sourde à l'opéra? Pour lui faire ouïr la muette, sans doute. À l'opéra, ce soir. Oui, il est un peu tard, mais comme on joue la favorite et Coppelia, nous ne tenons à arriver que pour les ballets. Parce que moi, la musique, ça m'embête. Et ma femme, elle ne peut regarder que les ballets. Elle regarde danser et ça l'amuse. Elle dit simplement que cela gagnerait à avoir de la musique. N'est-ce pas, Coco? Mais tu trouves que ça manque de musique, les ballets? Ah, beaucoup mieux! C'était dans le train que ça n'allait pas! Ah oui, non. Telle que vous la voyez, elle vous parle de ses maux de ventre. Elle est sujette à quelques petites crises hépatiques, mais ça va mieux maintenant. Allons, tant mieux! C'est un peu décousu. Faut s'y faire! Allons, monsieur, je ne voudrais pas vous retarder plus longtemps. Tu viens, Ernest? Allons-y. Monsieur? Madame, ravie. Monsieur, enchanté. Monsieur, pas plus que moi, certes. Et je n'ai même qu'une seule chose à vous dire. Quoi donc, monsieur? Eh bien, monsieur, figurez-vous que mon meilleur ami s'appelle Vatelin. Ah! Oui. Oui. Mon Dieu, monsieur, une confidence en vaut une autre. Mon meilleur ami à moi, monsieur, s'appelle Piélouche. Ah! Oui! Oui. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça me passe? Eh, monsieur, je ne vous en remercie pas moins. Monsieur? Madame? Coco! Monsieur et madame te disent au revoir! Quoi? Monsieur et madame te disent au revoir! Je n'entends pas! C'est juste. Ah! Pardon! Au revoir, madame! Au revoir, monsieur! C'est étonnant, elle n'entend plus que quand nous n'entendons plus, nous. Bon, allez bien, Ernest. Entrez! Madame n'a plus rien de plein de pensée. Mais non, merci. Tu iras dire en bas que si un monsieur vient me demander, qu'on lui réponde que je n'ai pas pu l'attendre car j'ai été payée auprès de ma mère qui est bien malade. Tu as compris? Oui, madame. C'est bien, va, guéris-toi. Merci, madame. Il est malade. Ah oui, il a des clous partout, là, c'est répugnant.
sac. Le sac, voilà. C'est le sac à la dame, ça? Bah, vrai. Je m'apprête, moi, si nous devons aller à l'opéra. Oui. Eh bien, qu'est-ce que t'as à rester là planté comme une bande clopin? Monsieur! Alors comme ça, t'as des furons entre toi. Oui, monsieur, c'est pas grave. C'est là, je connais ça. Médecin-major dans la cavalerie, j'en vois plus souvent qu'à mon tour. Fais voir. Monsieur, j'ai attrapé ça. Je ne te demande pas de boniment. Déculotte-toi. Monsieur? Tu ne comprends pas le français? Je te dis, déculotte-toi. Mais... Monsieur le major! Quoi? C'est ma femme qui te gêne. Oh, fais pas attention, elle est sourde. Bon. Eda! Qu'est-ce que t'attends? Mon Dieu, monsieur le major, c'est que je veux vous dire. Si c'est pour la curiosité, ça va bien, mais si c'est pour le clou, je l'ai au cou! Hein? Au cou? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Est-ce que ça compte, ça? Est-ce que ça empêche le service à un clou au cou? Je voudrais être dispensé de cheval pour un clou au cou. Mériterait que je t'y fasse descendre, toi, au cou, cette carottière. Oui, monsieur le major! Allez, en plein type! A-t-on jamais vu ça pour un clou au cou? Ah, à 10h30, mon ami, ainsi tu n'as que le temps! Mais c'est pas de ça dont je te parle, je t'en parle de son cou! Consulte le programme, tu verras! Oui, bonsoir, je vais m'apprêter! Où est le sac? Quoi? Ah! C'est toi qui le portais! Moi, je le porte! Absolument! Où l'as-tu mis? Eh bien, elle est forte, celle-là, où elle vient plus le fourrer! Entrez! Je viens pour faire la couverture. Monsieur et madame cherchent quelque chose? Oui, un sac de voyage. Oh, du diable si je suis au débit! Va voir si le petit garçon ne l'a pas porté dans le cabinet à côté! Oh, tu crois, mais... Oh, je l'aurais vu, enfin! Madame préfère-t-elle des oreillers en plume ou en crin? Madame désire-t-elle des oreillers en plume ou en crin? Ah ça, qu'est-ce qu'elle a? Elle est dans la lune. Madame désire... Ah! Bonjour, ma fille! Ah, bonjour, madame! Je demanderai à madame... Oui, bien, ne demandez pas, vous perdez votre temps! Oh, je l'aurais bien sûr laissé en bas dans le bureau. Mais qu'est-ce que vous vivez? Je voulais... Monsieur, c'était pour savoir... Nom d'un chien, la belle fille! Ce que monsieur et madame préfèrent. Vous auriez en plume ou en crin. Cré coquin, t'es rudement bien. Hein? Je demande à monsieur. Ce que tu voudras en plume, en crin, la moitié du tien, voilà l'oreiller que je préfère. Mais monsieur, comment t'appelles-tu? Eh bien, et toi? Oh, elle me tutoie. Elle me tutoie. Tiens, est-ce que je vous ai permis de me tutoyer? Mais ne te gêne donc pas, ma fille. Ah, tu me tutoies. Oh, voulez-vous me laisser, monsieur? Madame, madame. Oui, appelle, va, appelle. Madame, voulez-vous faire taire, monsieur, votre mari? À Paris, oui, jusqu'à demain. Ah, ça, mais elle est sourde. Comme une pioche. Oh, tu es adorable. Tiens, oh. Oh, eh bien, tu l'as. Oh, non, d'un chien, oui. Monsieur, désire-t-il autre chose? Non, 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 merci. Oh, Cricotin, quel poil. Tu as mal aux dents? Non, ce n'est rien. Vous direz en bas que mon oncle sait que je le retrouve en rentrant. Bien, monsieur. Allons, viens, Coco. Nous partons. Je suis prête. Allons, la favorite doit être terminée. Qu'est-ce que la favorite? Oh, je n'aime pas ces femmes-là. Mais il en faut, Coco. Il en faut. Je crois que je l'ai bien refroidi ses élans, médecin militaire. Il est bon, lui, avec la moitié de mon oreiller. Ah ça, est-ce qu'il croit que si j'avais voulu mal tourner, je l'aurais attendu? Non, mais tout de même... J'avais bien entendu qu'on quittait la chambre. Va-t-elle, qu'il a loué pour ce soir, ne peut tarder à arriver. Ménageons-nous les communications. Vous demandez, monsieur? Sans presser la bonne. Vous demandez, monsieur? Ce que je demande. Oui. Le roi des Belges. C'est pas ici. Ah, c'est pas ici. Ah, diable. Je m'en doutais. Ah! Bon, eh bien alors? Eh bien, vous voyez, pour la chambre 39, ça je suis bien certain. Seulement, je me disais, pour l'hôtel. Est-ce bien l'hôtel? Voilà, c'est pas l'hôtel! Ah, monsieur, vous ne vous trompez que de ça? Voyez-vous, mon petit.
J'ai vu le roi aujourd'hui. Il m'a dit, mon petit bonhomme, durant ce prince d'œuf, nous descendons du Timus. Alors, pour la chambre, je suis bien certain, seulement pour l'hôtel, il a dit du Timus, mais vous voyez avec l'accent, j'ai peut-être entendu continental. Monsieur de la cour. Oui, un peu, ministre sans importance. Vous voyez, pour être plus proche de lui, j'ai joué le 38. Le 38, qui est là? Eh bien, oui, je sais. Eh oui, 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 hein. Et là, le 38, hein. Oui, oui. Ça y est, j'ai la clé. Enfin, mademoiselle. Il n'y est pas, il n'y est pas. Tout ce que nous dirions, rien. Oh, je vous salue bien, mademoiselle. Waouh. Waouh. Hein? Eh bien, le voilà parti. Il est plutôt spécial, les gars de la cour. Allons chercher les oreillers. Vous pouvez entrer, il n'y a plus personne. Alors, c'est ici? C'est ici! Dans cette chambre, le 39 est parfaitement. Oh, quelle turpitude! Et dire que c'est dans cette chambre! Mais elle m'a plutôt l'air honnête, cette chambre! Mardaise! Et dire que c'est dans cette chambre que mon mari tout à l'heure avec une... Avec une femme! Avec une femme, tous les deux! Lui, comme je le connais, avec sa tendresse, ses mots, c'est rien! Et elle, comme je ne la connais pas! Ah non, je ne veux pas! Et vous pourriez assister à cela de son propre, vous! Oh mon Dieu, si le geste est beau! Me taisez-vous! Oh non. Je ne vois que trop! Je ne me représente que trop! Ma preuve, il m'a tué devant mes yeux! Oh mais je vous en prie, ne vous énervez pas comme ça! Si, il me semble que j'en veux à tous ceux qui m'entourent! À ce mur? De leur complicité? Oh, à ces meubles de ce dont ils vont être témoins. Ah, cela, non, je ne peux pas, j'en pleure, je ne peux pas. La sonnette, où est la sonnette? La sonnette pour quoi faire? Je vais faire enlever le lit. Mais vous n'y pensez pas. Voulez-vous surprendre votre mari, oui ou non? Oui, certes. Alors pourquoi lui enlever le moyen matériel de se manifester? Parce que c'est épouvantable, les preuves que vous m'avez. Oh, eh bien, nous tâcherons de ne pas la faire durer inutilement. Ah oui? Enfin, pourvu que nous arrivions au moment psychologique. Oui, avant, oui. Oui, enfin, pas trop tôt pour ne pas voir arriver des violons et pas trop tard. Pour que la musique n'ait eu le temps de pleurer. Voilà. Mais comment se rendre? Oh, eh bien, j'ai déjà tout réfléchi à cela. Et mon moyen, le voici. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Des timbres électriques. Vous l'avez dit. Savez-vous ce que c'est que la pêche au grelot? Non. Eh bien, c'est ça la pêche au grelot. On met un grelot au bout d'une ligne. Et c'est le poisson lui-même qui vient sonner le pêcheur qui l'est pris. C'est le moyen que je vais utiliser à l'usage de notre petit vatelin. Vous allez pêcher mon mari au grelot? Oui. Et c'est lui et sa compagne qui auront la complaisance de nous sonner au moment voulu. Quelle bêtise! Bêtise? Ah, mais non! Vous allez voir comme c'est simple. Quel est le côté habituel de votre mari? Le bord! Le bord! Bon, par conséquent, madame, c'est la ruelle? Le bord, la ruelle? Ceci étant dit, je prends ces deux trembles électriques. Le gros, là, nous dirons que c'est votre. Et celui-là, ce sera madame. Monsieur? Madame. Bon. Je place monsieur. Ici. Et madame. Là. Et puis voilà, c'est amorcé. Mais comment, ça y est? Mais oui, enfin. Nous n'avons plus qu'à attendre que ça morde. L'un des deux pénètre dans le lit. Et craque. Une sonnerie. Mais ne bougeons pas. Ah non. Nous n'avons qu'un poisson de prix. Puis soudain, la seconde vient renforcer la première. Et puis voilà, nous les tenons tous les deux. Mais c'est très ingénieux. Ah non, c'est tout simplement génial. Oh, j'ai entendu du bruit. Oh là là, c'est peut-être le personnage. Oh, je vais leur crever les yeux. Oh, mais vous n'y pensez pas. Ils n'en ont pas encore arrivé que vous voulez déjà leur crever les yeux. Ah, c'est le bien, on va attendre. Allons-y, nous n'avons que le temps.
Elise à l'époque. Yes. Oh, vous parlez en anglais? J'ai dit yes. Voilà tout. Votre mari sait tout, il a trouvé la lettre dans le panier. Ah, non, non, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Tenez, lisez le fin. Venez à l'hôtel Altenius. Vous demanderez ma chambre, et si je ne suis pas là, attendez-moi, Vatelin. Well, eh bien, vous avez convaincu? Bien, madame, attendez. All right. Voilà. Où est le cabinet sur la toilette? Par ici, madame. All right, vous porterez de l'ouvrage en hier et de tasse pour ma thé. Bien, madame. Merci, mademoiselle. Faut pas demander de quel pays elle est, celle-là. C'est anglais. Je crois qu'ils n'iraient pas au cabinet de toilette sans emporter leur théière. Voilà votre chambre, monsieur. Ah, bien. Comment? Mais vous vous trompez. Cette chambre est occupée, c'est la chambre de monsieur Vatelin. Eh bien, c'est moi, monsieur Vatelin. Mais les deux personnes qui... Ah oui, oui, ne vous en occupez pas. On a constaté l'erreur au bureau. Ce sont les locataires du 59 que, par une faute de transcription dans la dépêche qu'on leur a envoyée, on a mis au 39. Mais on a noté de les prévenir quand ils rentreront. Bien, monsieur. Merci, chasseur. Ah, dis-moi, tu iras dire en bas qu'une personne viendra me demander qu'on lui dise le numéro de ma chambre et qu'on la laisse monter. Oui, oh, monsieur. Monsieur demande une dame. Ah non, merci, j'ai ce qu'il me faut. Ah, mais monsieur, je n'en offre pas une à monsieur. C'est une dame qui est venue demander monsieur tout à l'heure et qui est là. Elle? Déjà? Faut-il la prévenir? Ah non, non, elle est bien, on l'a laissée là. Bien, monsieur. Ah, oh, oh oui, elle est bien où elle est, je la verrai bien assez tôt. Oh, oh, je suis d'une humeur. Ah, oh, c'est elle. Copine, vous là? Ah oui, il y a au moins une heure. Ah non, j'étais depuis 10 minutes, alors? Ah. Ah yes, j'attendais par là. Ah, que je suis content. Mais qu'est-ce que vous avez à rester là, red comme un lanterne? Un lanterne? Comme un grand gueule de gaz. Quoi, gueule de gaz? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, gueule de gaz? On ne dit pas gueule, on dit bec de gaz. Oh, bec, gueule, bec. Oh, ça m'est égal. Oh, ma copine. Quoi? Tu veux pas que je vous embrasse? Non. Non? Non. Oh, vous avez voulu que je vince? Je suis venu. Vous n'avez que ce moyen-là d'éviter un esclandre chez moi et de vous empêcher de faire un coup de tête. J'ai cédé, mais j'entends que vous vous mettiez bien dans le cerveau, que tout doit être fini entre nous. Oh, pourquoi vous dites ça? Vous êtes méchant, ma fille. Comment, sa fille? Moi qui vous l'aimais, parce que vous étiez si tendre, si doux, si beau, à côté de ma mari, si brute. Ah, c'est pour ça que tu m'aimais? Eh bien, attends un peu. Vous étiez si bien élevé avec mes femmes. Moi? Eh bien non, c'est ce qui vous trompe. Ah, vous avez cru que j'étais bien élevé? Eh bien, pas du tout. Je vais vous faire voir comme je suis bien élevé. Ah, ah là là, ah, et puis zut, hein, et flûte, et je t'enquiquine. Et allez donc, c'est pas ton père. Ta bouche, bébé, tiens, prends ça pour ton rhume. Ah, voilà comme je suis bien élevé. Ah, drôle? Ah, vous trouvez que je suis drôle? Mais je ne suis pas bon, moi. Je ne suis pas doux, je ne suis pas tendre. Ah, vous avez cru que j'étais en Angleterre, j'étais bien élevé, mais en France, je suis emporté, brutal, violent. Parfaitement, et je bats les femmes, moi. Oh, ah, et puis, ne m'avancez pas, ou je tape. Je dis, n'avancez pas, ou je tape. Vous tapez, vous. Parfaitement. Essaye donc. Voilà. Ah, vous voulez taper? Il veut taper. All right. One, two. Tape donc, eh? Et voilà, eh? Et puis ça, eh? Et ça, eh? Et ça, et ça, et ça. Oh là là, mais qu'est-ce que tu lui prends? Ah, il veut taper. Assez. Oh. Oh là là là. Oh, sale français. Oh là là. Ah, tiens. Je t'adore. Entrez. Voilà le thé. Posez ça là, merci. Eh bien, tu l'as reçu en roulé. Alors, tu veux encore taper ta petite Maggie? Abuser ainsi de sa force. Alors, tu vas être bien gentil pour ton petit Maggie. Mais insensé, rien ne peut donc t'arrêter. Comment tu sais que ton mari a la puce à l'oreille? Il a une puce dans l'oreille? Oh, c'est une expression, et c'est tout si tu aimes mieux. Car enfin, sans mon télégramme... Ah yes, je suis tombé dans le bec du loup. Mais absolument. Seulement, on ne dit pas bec du loup, on dit gueule. Le loup n'a pas un bec, il a une gueule. Comment? Tout à l'heure, je disais bec
gueule. Non, pardon, tu disais gueule de gaz. Eh bien, pour gaz, on dit bec. Mais pour les autres animaux, on dit gueule. Simple petite observation, en passant. Eh bien, non, non. Le rôle que tu me fais jouer est inadmissible. Hein. Je ne peux pas, je ne peux pas. Si tu n'es pas raisonnable, je le serai pour toi. Adieu. Ah non, Creepy, rest, oh rest. Non, laisse-moi. Laisse-moi. Non. Non. Eh bien, je vais me touiller. Encore, mais sapristi, c'est du chantage. Oh, eh bien, bien, touillez-vous et laissez-moi tranquille. All right, je prends ma thé et je mours. Et allez donc, mours donc. Vous prenez une tasse de thé? Hein? Je dis, vous prenez une tasse de thé. Ah, oh, si vous voulez. Un morceau, deux morceaux. Quatre. Ah, c'est beaucoup. Ah, pour. Une goutte, deux gouttes. Non, je ne sais pas, ce que vous voudrez. Vous direz. Bon. C'est égal. Une cuillerée, il y aurait de quoi touiller tout un régiment. Hein? Mais qu'est-ce que c'est donc? Du strychnine. Mais malheureuse, voulez-vous laisser ça? Non, je veux boire tous les sucs qu'on met devant votre salle. Oh nom du ciel, Maggie, je vous en supplie. Arrêtez! Non, adieu, Herbine. Oh, Maggie! Oh, je serai gentil, je ferai tout ce que vous voudrez. Tout ce que tu voudras, là. Oh, vous dites ça. Non, non, tout, tout, je le jure. Yes? Oui, yes, yes, oui. Oh, ça va mieux. Allons, puisqu'il le faut, en finissons-en. Oui, Maggie. Oui. Ah, viens. Ah, viens, viens. Ah, je te désire. Je te veux. Ah, ah, viens. Viens. Ah, non. Comme ça, je ne voulais pas. Ah, et puis flûte. Tu sais, moi, ce que j'en fais. Oh, merci, là, je veux. C'est comme ça que tu refroidis mes élans. Oh, non, taisez, ferme ton gueule. Comment, ton gueule? Bien, voilà une expression. Est-ce que j'ai une gueule? Un homme, ça a une bouche, ça n'a pas une gueule. Oh, puis flûte aussi, comme vous dites. Vous le faites exprès. Quand je dis gueule, c'est bec. Quand je dis bec, c'est bouche. Je sais pas, moi, c'est jamais comme je dis. Non, mais je vous en prie, attrapez-moi. Oh, non, je n'attrape pas, c'est pour le rire. Je te l'aime. Tu me l'aimes. Nous l'aimons. Ah, attends, je vais pas là. Là? Yes! Tu veux pas que je reste dans cette tenue? Ah, et puis quoi? Tu peux pas ici? Ici? Devant vous? Shocking! Bon, va. Oh non! Oh, ce que ça me dit, ce que ça me dit, autant que de me ficher à l'eau! Oh là là, mon pauvre bâtard, tu t'es fourré là dans un engrenage! Ah, c'est étonnant comme les sonnettes de cet hôtel font du train. Hein? Ah, rien. Ah bien, ça tient du prodige, ça, par exemple. Quelqu'un n'a pas remué dans cette chambre? J'ai bien entendu, cependant. Mais non, c'est fermé. Le tour de clé y est, la porte est condamnée. Ah non, ce que c'est que l'illusion. J'avais même senti le vent de la porte sur la tête. Moi, j'ai le cauchemar, il n'y a pas. Ah, c'est cette damnée Maggie, hein. Ah, avec son thé à la strychnine. Je vais même faire sonner pour le faire enlever son sale thé. La femme de chambre, deux coups. Elle n'aurait qu'à avoir encore des velléités. Ah bien, elle n'est pas longue à venir, la femme de chambre. Entrez! Adieu! Oh, soit d'Ignac, nom d'un chien de Marie! Ah, c'est vous! Yes, c'est moi! Ah, ça commode ici! Eh, hey, voilà, ça vous intrigue! Madame! Ah, mon Dieu! Et sa femme qui est là! J'étais en bas dans le bureau quand le groom que vous avez envoyé est venu dire: si quelqu'un, il m'a dit, tu vas dire rien, Ah, bien, j'ai eu une fière idée de l'envoyer dire ça au bureau! Oh, figurez-vous que j'étais dans cet hôtel pour un rendez-vous! Avec une personne qu'elle n'a pas pu m'attendre et qu'elle me prie de lui excuser. Oui, oui. Elle a dû aller soigner son mère très malade. Ça ne vous intéresse pas ce que je vous dis? Ah, si, 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 vous me disiez malade, je suis très content. Vous êtes malade? Ah non, qui? Vous. Non, pas moi, elle. Ah, elle. Yes, la mère. Ah, la mère, la vieille dame, c'est bien ça, elle est malade. Alors que faire? Mon Dieu, que me direz-vous? Vous pouvez vous en aller? Hein? Vous en allez? Mais comment donc? Allez donc, ne vous gênez pas pour non, moi. Non, c'est une hypothèse. Ah, c'est une hypothèse. Ah, c'est dommage, hein. Non, je disais ça parce que je sais qu'en général, vous êtes d'un naturel pressé. Oh, le jour, yes,
mais le soir, j'ai toujours le temps. Eh bien, ça va être gay. Non, non, partir, je ne puis justement pas. Comme je savais que je serais cette soir à l'hôtel, j'avais donné rendez-vous au commissaire de police. Au commissaire de police? Ah oui, vous savez quand même que c'est cette soir que j'ai fait penser mon femme. Mon Dieu, et est-ce qu'il se douterait? Oh, elle n'est pas ici, elle n'est pas ici. Qui? Mon femme? Je sais, les rue Rocket Pine. Ah oui, oui, il ne sait rien. Le commissaire doit être en train de les surprendre en ce moment même. Oui, 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 oui. Bon, et pour plus de sûreté, il l'a fait filer depuis ce matin. Ça ne vous intéresse pas ce que je vous dis? Oh, beaucoup! Vous me disiez malade, elle est malade. Oh non, plus maintenant! Oh, elle est morte! Oh non! C'est toujours mon passé? Non, je disais mon femme. Ah, votre femme qui est là? Comment? Oh, qui est là-bas, votre copine! Yes, il l'a fait filer. Elle est partie? Elle a filé? Le commissaire va m'envoyer des nouvelles aussitôt que ce sera terminé. Voilà, parfait, parfait. Mais qu'est-ce que vous avez à être agité comme ça? Moi, agité? Pas du tout, je l'ai agité. Ah oui? Vous êtes malade? Non, oui, oh, un peu, très peu. Colique? Hein? Il ne coupe vraiment rien du tout. Je disais, colique? Hein? Oh non, oui, vous savez, entre les deux. Entre les deux? Oh, c'est l'état normal. Voilà, c'est plutôt ça, un peu d'état normal, ce ne sera rien du tout. Oh mon Dieu, mon Dieu. Youhou! Oh, joli, très joli. Ça me dit, le bras de ma vie. Vous avez vu, c'est un bras. Je vois, très joli. Quel coquinasse, hein? C'est pas qui ce bras? Oh, je ne sais pas, c'est pas ici. C'est un bras qui est là. Alors, il est venu sans venir. C'est le bras du voisin. La guerre, c'est le bras de votre femme. Ah, vous l'avez dit, c'est le bras de votre femme. Oh, du voisin qui aime la femme. Où est-ce que vous, mon cher ami? Ah, ben, voilà, il faut y installer. Asseyez-vous donc là. Près de moi. Oh, ça y est. Mon cher ami. Je vous fais mes compliments, madame, hein? Rock! What is it? Oh, je vous demande pardon, mais c'est ma femme. Elle était dans une tenue, alors... Oh, je vois, oui, je vous demande pardon, vous avez bien fait. N'est-ce pas? Tenez, venez donc faire une partie de billard. Oh, yes, je veux, très bien. Qu'est-ce que c'est encore? Entrez! Comment entrez? Je vous demande pardon, je m'étais trompé de sac tout à l'heure. Oh, réveillons-lui! Oh, Madeleine, comment vous ici? Ah oui, oui, c'est moi, en train que j'ai manqué. Je vous ai pris fait cela. Tenez, allez donc faire une partie de billard avec monsieur. Avec monsieur, mais je ne le connais pas. Eh, monsieur Savignac, monsieur Rédillon, allez faire une partie de billard! Mais non, d'abord, je ne le connais pas. Je suis pressé. Mais alors, ne vous asseyez pas. C'est pas la peine, nous descendrons. Il donne le chaud, ma parole d'honneur. Mais non! Ne buvez pas, nous n'avons pas le temps! Tant, mais l'on peut tant être sans tuer! Le monsieur qui a sonné? Ah oui, mais il y a au moins une demi-heure, c'est pour enlever le thé! Un monsieur! Bon, et maintenant, filons! Non, attendez mon sac! Ben, prenez-le, votre sac, et venez! Mais non, pas celui-là, je vous le rapporte! Ah! C'est celui-là? Je ne sais pas, il est pas à vous? Non! Ah bah alors, ça doit être celui-là, allons-y! Ah non, c'est ça, allez devant! À moi, direz, je vous rejoins! Vite, Maggie! Tu pouvais venir? Ils sont partis? Ah oui, partis! Ils sont là à m'attendre! Oh, je suis obligée d'aller faire une partie de billard avec votre mari! Oh, je vous en prie, pendant ma courte absence, ne bougez pas de cette chambre où je vous enferme et j'emporte la clé pour plus de sûreté! Maintenant, si quelqu'un venait, cachez-vous dans ce cabinet et n'en sortez qu'autant, je serais venu vous y chercher! Est-ce compris? Ah, yes! Bartlin! Oui, cachez-vous! And how are you, Bartlin? Eh oui, je viens, je viens! Oh, ciel! Que j'ai eu peur! Quand j'ai vu mon mari là, tout mon courage est parti! Ah non, non! Je veux me en aller! Ma costume! Où il a mis ma costume? Ah! Ah! Mais qu'est-ce que c'est encore? Sacrée crise hépatique, bah, il a fallu que ça la reprenne au théâtre, nous avons dû nous en aller avant la fin. Oh,
mes pantoufles. Ah, les siennes. Et Coco, pantoufles. Merci. Ah, un caraco. Coco, caraco. Merci. Ah, voilà ma pharmacie. Bah. Laudanum. Ma brosse. Passe-moi ma brosse. La brosse, voilà. Bon, alors, voyons cela. Ah, voilà le laudanum. Préparons cela. Une, deux, trois. Ah, ah ça. Qu'est-ce qui s'amuse à sonner à cette heure-ci? Quatre, cinq, six, voilà qui goûte. Ah mais, tu commences à m'embêter avec la sonnerie. Vous avez pas bientôt fini de sonner? Ah ça, qu'est-ce qui t'aime comme ça, non? Mais je ne sais pas, monsieur, mais c'est insupportable. Cessez, là, il y a une copine. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Oh, ça cesse, c'est pas trop tôt. Oui, maintenant, bonsoir, monsieur. Salut bien, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cul, penchard? Mais rien, rien. Va, couche-toi, il est tard. Je vais en faire de même. Je l'ai bien fait taire, cet animal. Oh, bah. Ah, bah, les voilà qui recommencent. Mais c'est assommant à la fin. Et voilà un petit travail de la partie. Mais c'est pas possible, il y a un peu de temps dans cette honnête. On n'a pas idée d'en parler, Charivari. C'est quoi, misérable? Ah! C'est pas lui! Eh bien, vous sont-ils? Va vous sont-ils passer? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Moi? C'est monsieur qui sonne comme ça? Moi? Ah, ça, monsieur, ne sonne pas comme ça. Vous allez réveiller tout l'hôtel. Comment, mais est-ce que c'est moi qui sonne? Vous n'avez pas bientôt fini de sonner, ma femme ne peut pas dormir. Est-ce qu'on sonne comme ça? Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là? Voulez que vous en allez? Oui, quand vous aurez fini de sonner. Oui, oui. Mais où ça, je sonne? Où voyez-vous que je sonne? Qui voyez-vous sonner? Est-ce que c'est ici qu'on sonne? Mais enfin, monsieur. Est-ce que c'est une façon d'empêcher les gens? Non, alors fichez-moi le corps. Oh, voulez-vous me... Fiche le corps! Ah ça, mais c'est dans le lit que ça sonne! Dans le lit? Mais absolument! Ah, j'aimerais bien savoir qui est le farceur qui s'amuse à faire des passes ici pareil! Mais tenez, ça continue, je vous parie qu'il y en a un sous le... Sous ma femme! Il y en a un autre. Ah ça! J'aimerais bien savoir ce que ça signifie tout ça, mais je n'y comprends rien, monsieur. Si c'est comme ça qu'on s'amuse aux dépens des voyageurs dans votre tête, je me plaindrai, vous savez. Je vous assure, monsieur. Alors c'est bon. Laissez tout tranquille maintenant. En voilà une caserne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a rien entendu. Eh bien, Coco, tu en as bien de la peine. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient, tous ces gens-là? Mais rien, rien. Oh, ils m'ont fait peur. Mes douleurs commençaient à se calmer. Voilà qu'elles reprennent de plus belle. Oh, les animaux. Ah. Tu sais, tu devrais te mettre un cataplasme. Quoi? Si tu te mettais un cataplasme... Je n'entends pas, tu me parles à contre-jour, je ne vois pas ce que tu me dis. Oh, je crois bien. Avec quelques gouttes de laudanum, mais où en trouver? Mais je sais qu'il faut là-dedans, il n'y a qu'à le faire. Quand je l'ai vu malade au départ, je m'en suis munie en cas. Il y avait un petit coin de libre dans le sac. Elle voulait y fourrer du pain et du jambon. Moi, j'ai préféré y mettre un cataplasme. Je vois que j'ai bien fait. Monsieur Lassonnier! Oui, c'est moi cette fois. Je voudrais que l'on me fasse un cataplasme avec ça pour Coco, enfin pour madame qui est souffrante. Mais monsieur, il n'y a plus personne à la cuisine! Naturellement, il n'y a plus personne à la cuisine.
Tout à l'heure, c'était plein de monde ici, et maintenant, il n'y a plus personne à la cuisine. Bon, vous avez un fourneau à gaz, au moins. Ah oui, monsieur, il y a un fourneau. C'est bien. Vous allez m'y mener, et je ferai le cataplasme moi-même. Bien, monsieur. Voulez-vous me permettre, monsieur le mari? Non, je ne permets pas, je vous l'ordonne. Si jamais je t'en rencontre dans une infirmerie, je t'en fourrerai un de cataplasme. Je descends faire le cataplasme, je reviens dans 5 minutes. Toi, tâche de t'endormir. Que je tâche de dormir? Ah, si je peux. Ne sois pas lent. Non. Le bruit l'a fini. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Et maintenant qu'il ne revient pas à lui. Mais où as-tu fourré mon billet? My God! Il y a quelqu'un dans le lit! Ah ça, mais qu'est-ce qu'elle a donc, cette serrure? Oh, suis-je bête! Je tournais à l'envers. Au lieu d'ouvrir, je fermais à double tour. Oh là là! Quelle ventouse que ce sol d'Ignac! J'ai cru que je ne m'en dépêtrerais pas. Allons délivrer Maggie. Hein? On a ronflé là-dedans? Oh non, elle est étonnante. Elle s'est couchée, rien ne la trouble. Oh, c'est beau la nature britannique. Ma foi, elle dort, ne la réveillons pas. Hein. C'est autant de gagner. Je vais me coucher bien doucement, en ayant bien soin de ne pas la tirer de son reposant sommeil. Reposant pour moi. Non. Croyez-vous qu'elles ont des pieds, ces Anglaises? Oh, presti que j'ai soif. Ah, il tombe bien, celui-là. Madame Soldignac, je connaîtrai votre pensée. Ah, ça fait du bien, hein. Ah, j'ai les yeux lourds, je crois que je ne vais pas tarder à m'endormir. Allez, couchons-nous et bien doucement pour ne pas éveiller ma maîtresse. Sapristi, elle en prend de la place. Oh, je n'ose pas la pousser, ça l'éveillerait. Oh là là, Christy, que j'ai sommeil. Je ne sais pas, il me semble que ça a encore augmenté depuis que j'ai bu ce verre. Qu'est-ce qu'elle a pu fourrer là-dedans? De là, un strychnine, comme tout à l'heure. Hein. De là, et... Merci, garçon. Attention, Coco, tu y es, c'est chaud! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Mais qui va là? Oh là là! Ah non, dans le lit de ma femme! Ah mon Dieu! Prenez dans mon lit! Qu'est-ce que tu fais là? Voulez-vous me lâcher? Au secours! Allez! Viens, dans le lit de ma femme! Mais voulez-vous me... Mais c'est toi, misérable! Ciel, ma femme! Mais rattrapez-le, il était dans le lit de Coco. Ma femme, mon ami, Masha, on m'a tué. Oh là là, eh bien, vous êtes convaincu? Ah oui, le traître. Ai-je bien eu raison de vous dire de rester, vous qui vouliez déjà vous en aller? Oh oui, vous avez eu raison, toi, t'as dû, je ne m'en dédite pas. J'espère que vous saurez bien vous venger, hein? Oui, oui, je vous jure. Vous vous rappelez ce que vous m'avez promis? Si j'ai un jour la preuve de l'infidélité de mon mari, je lui rendrai immédiatement l'appareil. Oui, 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 oui. Je ne m'en dédie pas. Oh, je vais vous faire voir que je n'ai qu'une parole. J'ai dit que je prendrais un amant, et bien, je le prends, cet amant. Bravo. Et si mon mari vous demande qui est cet amant, vous pourrez le lui dire. Ce n'est pas la peur. C'est son meilleur ami, Ernest de Réunion. Ah, Red. Oui. Ah, adieu, je vais manger. Vous êtes ici avec la femme de monsieur. Moi? Dans ce cas, votre complice. Ma complice? Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ma mari? Mon femme. Ah, la loi.
Thank you.
Thank you.
bien quoi? Il est 11h. Eh bien, il est 11h. Oui. Et voilà, blanc, la porte sur le nez. Un enfant que j'ai vu naître, le respect s'en va. Et son père, mon frère de lait, qui m'avait promettre en mourant de veiller sur lui. Mais mon pauvre Marcelin, comment veux-tu que le veille sur ton fils? Est-ce que j'ai une action sur lui? Est-ce qu'il m'écoute seulement? C'est comme si je demandais au prince de Monaco de veiller sur l'Afrique. Et quand je lui fais de la morale, me traite de vieille galache. Et en fin de compte, sans comprendre, je suis obligée de brosser les demoiselles qui ramènent. Ah, enfin, il se décide. Nous sommes parents par le lait. Bon, c'est égal. C'est juste que t'as fait un drôle d'effet dans le temps de te tutoyer et toi lui dire vous. Qu'est-ce que tu veux, ma lunette et pas moi? Christy, que je suis fatigué. Ah, eh bien, mon pauvre Ernest, tu ne détiens pas le record. Oh, je n'ai jamais posé pour le champion de France. Oui, ben, tu fais bien aussi, hein. Oh, voyons, repos. Bah, on dirait que ça ne te plaît pas quand je t'embrasse. Non. Ah, bah voilà, déjà. Enfin. Bah, c'est bien les hommes, ça. Ils ne sont gentils que la veille. Oh, le surlendemain. Ah bah c'est gentil ce que tu as là. C'est le portrait d'une propriété à toi. C'est le Capitole. Le Capitole, purée, c'est donc ça le Capitole. Oh là là, mais tiens, c'est drôle. Mais qu'est-ce que tu trouves de drôle à ça? Oh non, c'est Schmitzmeyer. Oui. Il veut toujours. Je ne sais pas pourquoi il s'est fourré ça dans la tête, mais il dit que j'ai sauvé le Capitole. Ah ouais? Mais c'est pas vrai, hein, je ne l'ai pas sauvé du tout, je ne le connais même pas. Ainsi. Eh bien. Eh bien, il n'en démord pas. Il dit que je devrais me porter volontaire pour la médaille de sauvetage. Et toi, crois-tu qu'il en a de couche? Ah oui, et toi, crois-tu? Oh, chérie. Encore! Je vous en prie, madame, ayez pitié! Mais qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi cette mine! Je vais vous flanquer à la porte, moi, vous savez. Ça m'est égal, je ne m'en irai pas. Tiens, bois ça. Non. Bois! Ah, il m'en faut une patience. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du coca. Du quoi? C'est du coca, du Coca-Cola. Pardon, madame, songez que c'est un enfant. Il n'a que 32 ans. Il n'est pas comme moi. Mais qu'est-ce que vous racontez à madame tout bas? Rien, rien, rien. Oui, nous avons nos secrets ensemble. Voilà, ça ne te regarde pas. Oh, pardon si je suis indiscret. Il n'est venu personne pour moi. Si, d'abord, ta nommée Plus est venue. Oui, elle voulait absolument te voir. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Que tu étais avec ta mère. Alors, comme elle voulait absolument t'attendre, je lui ai dit que quand tu étais avec ta mère, tu en avais généralement pour 3 ou 4 jours. Oh, mais vous avez bien fait. Ah, non, 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 mais si nous nous étions trouvés nez à nez. Puis il est venu, monsieur Mondor. Mondor, Mondor? Mais non, tu ne le connais pas. Il a passé l'âge. Ah. C'est un marchand d'antiquité qui a son magasin en appartement sur le même palier que moi. Alors, quelquefois, quand il a une occasion. Comme voisin. Oui, non, mais tu as raison, c'est Livaro que je voulais dire, un espagnol. Livaro. Oh là là, je savais bien que j'avais connu un nom de fromage. Ah oui, mais ce n'est pas le même. Mais qu'est-ce qu'il voulait, le dit Livaro? Oh, le dit Mondor. Mais tu m'embrouilles, toi, dans tes fromages. Il m'a dit de te dire qu'il a de nouvelles acquisitions à te montrer. Une pièce rare, une ceinture de chasteté du 14e. Ah? Du 14e quoi? Le 16, du 14e cocu, probablement. Mais non! Un siècle. Et c'est tout? C'est tout. Attends, je vais ouvrir. Mais je n'avais pas l'intention d'y aller. C'est une dame, je n'y suis pas. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ah non, 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 non. Si c'est une femme, nous n'y sommes pas. Ça n'aurait qu'à être encore plus. Alors, une histoire. Vernique, j'aime pas les peignets. Où vas-tu donc? Ben, le rhabiller si c'est une femme. Au revoir, je file à l'anglaise. Non, madame, je vous dis qu'il n'est pas là. Sonnez-t-il?
parler. Madame Matelin, la femme de son ami Monsieur Matelin, chez qui il va si souvent. Parfaitement. Oh, alors c'est autre chose. Je vous demande pardon, madame, je vous avais pris pour une cocotte. Hein? Hermé, c'est Madame Matelin! Qu'est-ce que c'est? C'est Madame Matelin! Le voici. Comment? Vous ici? Ça vous étonne? Allez, moi aussi. Dites à la personne qui est là que je m'excuse de ne pouvoir aller la rejoindre, mais qu'une affaire importante, et qu'une fois qu'elle aura fini de s'habiller, reconduisez-la. Compris! Prends votre part! Oui! Vous! Vous ici! Moi? Comment? Vous devez bien deviner! Non! Enfin, vous devez bien être au courant! Quoi? J'ai surpris mon mari cette nuit en flagrant délit d'adultère! Non, Dieu! Et vous venez m'aimer? Je n'ai qu'une parole! Oh mon Dieu! Que je suis heureux! Lucienne, prenez-moi, disposez de moi, faites de moi ce que vous voudrez! Oh pardon! C'est moi qui viens vous dire ça! C'est justement ce que je venais vous dire! Oui, bon, c'est quelqu'un qui va passer, il est inutile qu'on vous voie. Tenez, dissimulez-vous derrière moi. C'est bon. Tenez, asseyez-vous sur le canapé. Non mais croyez-vous le misérable ? Qui ça ? Comment, qui ? Mon mari, évidemment ! Ah oui, je suis bête, je n'y étais plus. Allez. À moi. Moi qui étais une femme fidèle, moi qui repoussais les avances de ce pauvre Rédillon. Oui, ce pauvre Rédillon. Ah, plus souvent que je les repousserai, ces avances. Il m'aime, je serai à lui, c'est ma vengeance. Ah, Lucienne, Lucienne. Il tombe de sang, mais je n'ai que côtelettes. Ah, mais oui, venir nous parler de côtelettes. Ah, Lucienne. Hé, hey, dernier couvert. Hé, hey, dernier couvert. Oui. C'est qu'elle a la manie de me faire tout le temps des pommes de terre. Je commence à en être saturé. Je vous demande pardon. C'est une vieille domestique de la famille. Elle est un peu terre à terre, elle ne nage pas comme nous, dans l'idéal. Si vous croyez que je suis en train d'y nager, moi, dans l'idéal. Mais qu'est-ce que je vous disais donc? Vous me disiez qu'elle a la manie de vous faire manger tous les jours des pommes de terre. Non, avant. Ah, ah, vous me disiez. Lucienne, Lucienne. Lucienne, Lucienne. Ah oui. Aïe. Ah, Lucienne, Lucienne. Dites-moi que je ne suis pas le jouet d'un rêve, que vous êtes bien à moi, rien qu'à moi. Ah oui, bien à vous, rien qu'à vous. Oh, que je suis heureux. C'est une compensation que le malheur des uns passe un peu le bonheur des autres. Oui, tenez, appuyez votre tête contre ma poitrine. Ah oui, attendez. Donnez-moi votre chapeau. Oh, que je m'enivre de l'odeur de vos cheveux. Eh bien, vous allez tenir mon chapeau longtemps comme non, ça. Non, attendez. Aïe. Ah, Lucienne, c'est la première fois qu'il m'est permis d'effleurer votre peau de mes lèvres. Oui, c'est ça. Mangez-moi, bon genou. Oh oui. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la femme de monsieur maintenant. Je suis votre femme et vous m'épouserez. Oh oui, oui. Un homme à qui j'avais tout donné, ma tendresse, ma fidélité, ma candeur que j'appuie. Oh non, non, ne me parlez pas de votre mari, pas en ce moment. Que son image ne sois pas là. Oh, ma Lucienne adorée. Je suis rentrée. N'entre pas. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que j'ai des comptes à vous rendre? Allez-vous-en. Oui. Et fermez la porte. Pourquoi t'as froid? Non, parce que je vous le demande. Et n'entrez plus tant que je vous appelle. Je n'ai pas trouvé de haricots verts. Je m'en fiche. Alors j'ai pris des pommes de terre. Je vous demande pardon. C'est une vieille domestique de la famille. Maintenant, allez. Ah, allez. Ah, Lucienne, Lucienne, laissez-moi vous presser dans mes bras. Et vous m'aimez, vous? Non. Attendez. Je ne suis pas bien comme ça. Voilà, comme ça, je suis mieux, je puis mieux vous presser contre mon cœur. Ah, Lucienne! Ah, la prédiction de la somnambule avait raison. Quelle prédiction? Que j'aurais deux aventures romanesques dans ma vie. La première à 25 ans et la deuxième à 58. La première se réalise, j'ai eu 25 ans il y a 8 jours! Oh, et j'en suis le héros! Oui! Non, attendez. Voilà, comme ça, je
Je suis mieux, je vous vois mieux, je vous aime mieux. Ah, ah, ma Lucienne. Ah, Lucienne, Lucienne. Quelle fichue idée j'ai eu d'amener Armandine hier soir. Ah, ma Lucienne, ma Lucienne. Ah, de quoi, Lucienne, Lucienne, vous ne savez dire que ça. Ah, Lucienne. Je ne sais pas si c'est le trouble, l'émotion. Je vous jure que c'est la première fois que ça m'arrive. Et voilà l'homme qui vient me parler de son amour. Absolument, Samant. Comprenez donc, j'étais si loin de m'attendre alors. Le bonheur, la joie, trop de joie. Voilà la raison. Et joignez à ça un scrupule. Un scrupule d'honnête homme qui ne durera pas, mais bien justifié cependant. Je songe à votre mari, qui est mon ami. Lui faire comme ça un pied de cochon, laissez-moi le temps de me préparer à l'idée. Eh bien, mon ami, vous avez des scrupules bien tardifs. Mais ça ne durera pas, je vous dis. Seulement, comprenez donc, laissez-moi le loisir d'y réfléchir. Venez demain, venez ce soir. Demain ? Ce soir ? Mais ce n'est pas possible ! Mon mari va rentrer tout à l'heure. Ah ! Aïe ! Votre mari, ici ! Oui, je lui ai adressé un mot tout à l'heure. Vous, vous m'avez trompé. Eh bien, je vous trompe à mon tour. Et si vous en doutez ? Venez chez votre meilleur ami, Ernest Redillo. Vous m'y trouverez dans les bras de mon amant. Mais c'est de la folie! Ah, nous allions en faire une jolie boulette. Et c'est drôle, j'en avais l'intuition. Dieu merci, le ciel m'a donné la force d'être raisonnable. Mais non, madame, mais non! Mais si, je vous dis, mais si! Mais qu'est-ce que c'est? Mais laissez donc! Madame Spontaniac! Parfaitement! Moi! Ah, vous ne vous attendez pas à me voir dans une zone, n'est-il pas vrai? Hier, monsieur Redillon, je vous ai dit que j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari. Et je viens vous dire, vengez-moi, je suis à vous. Hein? Elle aussi? Eh bien, monsieur Redillon, me voici. Vengez-moi, je suis à vous. Mon Dieu, que je suis embêtée. Mon Dieu! Mon Dieu! Permettez, madame, mais... Vengez-moi, je suis à vous! Vous en usez un peu librement. Comment, madame, mais c'est convenu avec monsieur... Aïe! Redillon? Permettez, madame, mais j'étais là! Aïe! Pour avoir vous! C'est possible, madame, mais je vous ferai remarquer que depuis hier, j'ai retenu monsieur Redillon! Oh. Vous l'avez retenu? Oh, voilà qui m'est bien égal! Madame? Madame! Mais sapristi, qu'est-ce que je suis moi là-dedans? C'est vrai? Parlez donc! Justement, parlez! Aïe, mais absolument je parlerai! C'est étonnant ma parole! Vous avez à vous venger de vos maris respectifs, alors il faut au moins que... Mais est-ce que vous me prenez pour un agent délégué aux représailles conjugales? Oh, bah voyons! Laquelle des deux? Oui! Eh bien, ni l'une ni l'autre, là! Hein? Bonsoir! Oh! Ah non, je ne peux plus à la fin. Dites que je ne reçois pas. Dites que je suis mort. Oui, Redillon. Monsieur Redillon. Non. Fermez. Vous voyez, madame, ce dont vous êtes cause. Permettez, madame, mais c'est vous. Oh, c'est moi. Vous devriez comprendre pourtant, madame, combien cette démarche m'est déjà pénible. Mais croyez-vous que je suis ici par plaisir? Ah, oh, bien merci. Si je n'y étais poussée par le devoir de me venger. Et moi aussi. Vous ne savez dire que ça. Et moi aussi. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, puisque nos situations sont les mêmes? Ah, et voilà quelle compromission nos maris nous réduisent. Ah, c'est dur pour des honnêtes femmes. Madame, il y a là un jeune homme qui demande madame Batelin. Un jeune homme? Qui me demande? Qui ça? Monsieur Pontagnac. Mon mari? C'est ça que vous appelez un jeune homme? Songez, madame, qu'il est jeune pour moi. Il devait être déjà majeur alors qu'il était encore à la mamelle. Mais qu'est-ce qu'il veut, mon mari? Mais je l'ignore, puisque c'est après moi qu'il demande. Enfin, il arrive bien, j'avais besoin d'un vengeur. Hein? Quoi? Vous voudriez? Ne vous en inquiétez pas. Comme ça n'est que pour donner le change à mon mari. Oh, alors? Me livrez-vous, monsieur Pontagnac? Soit, aussi bien. Cela me fera un grief de plus contre lui. Tenez, c'est par là. Et vous, faites appeler monsieur Pontagnac. Compris, madame. Je n'y comprends rien du tout. Seul. C'est vous qui... C'est moi. Il y a longtemps que vous êtes là.
Oh, j'arrive. Hé, hey, Radillon. Je l'attends. Ah, tant mieux, j'arrive à temps. Enfin, que signifie cette façon de venir me relancer jusqu'ici? Que voulez-vous? Ce que je veux? Je veux même votre Radillon et vous. Vous arrachez à lui. Vous disputez. Vous? Mais de quel droit? De quel droit? Mais du droit que me donnent tous les embêtements qui pleuvent sur moi depuis hier. Comment, par amour pour vous, je me suis fourrée dans le plus abominable des pétrins. J'ai deux flagrants délits sur le dos, flagrants délits où je n'y suis pour rien. Pensez par un mari que je ne connais pas, pour une femme que je ne connais pas, pensez par ma femme, pour cette même femme que je ne connais pas. Un divorce chez moi en perspective, un autre divorce de la dame que je ne connais pas, avec le monsieur que je ne connais pas. Oh, brouillée avec madame Pontagnac, le monsieur que je ne connais pas, venu ce matin pour me dire, enfin la dame que je ne connais pas, venu ce matin pour me dire, en accent anglais, que je lui dois les réconciliations. Une altercation compliquée de voix, de fait, avec le monsieur que je ne connais pas. Oh, enfin, les ennuis, le procès, le scandale, tout, j'aurais tout encouru. Tout cela pour que vous alliez vous jeter dans les bras d'un autre. Ah, c'est lui qui récolterait et moi qui serais le dindon. Ah non, non, vous ne voudriez pas. Attends un peu. Oui, comme ça se trouve, figurez-vous. Quand vous voyant arriver tout à l'heure, je me suis dit, au fait, pourquoi monsieur Rédillon? C'est monsieur Pontagnac qui m'a éclairé sur l'infidélité de mon mari. Absolument. Alors, si quelqu'un doit me venger, oh, c'est lui. Non, mais c'est possible. Alors, si je vous demandais... Ah, si vous me demandiez, ah ben, je serais le plus heureux des hommes. Oui? Oui. Eh bien, soyez le plus heureux des hommes, c'est vous qui serait mon vengeur. Non! Est-il possible? Oui. Et se lâcher du rayon, enfin Radillon, en quel raffinement! Dans la note. Et vous m'aimez? Oh, profondément.
Et toute votre vie sera à moi. Toute ma vie. C'est très bien. Asseyez-vous. Mais comment que je m'asseye? Eh bien oui. Mais je croyais à... Je dis le contraire. Enfin, si, s'il ne me plaît pas comme ça, s'il me... Il me convient de choisir... Non, non, non. J'entends que l'homme qui m'aimera soit l'esclave docile de tous mes caprices. Je dis, asseyez-vous. Asseyez-vous. Oui. C'est très bien. Je vous ai obéi. Oui, c'est bien. Et maintenant, enlevez votre gilet. Mais plaît-il de manger? Oui. Enlevez votre gilet. Vous ressemblez à mon mari comme cela, je ne peux pas vous voir. Ah bon? Seulement, je dois vous prévenir qu'en dessous, je suis en bras de chemise. Oh, ça ne fait rien. Bien. Et maintenant? C'est très bien. Asseyez-vous là. Près de moi. Voilà. Bon. Enlevez vos chaussures, vous avez l'air du déménageur comme cela. Mais comment voulez-vous? Je vous en prie. Et restez assis. Puisque vous me l'ordonnez, je vais vous paraître bien ridicule comme ça. Ne vous en inquiétez pas. Mais au fait, oh, c'est laid ça. Oh, c'est très très laid ça. Cette coiffure là, qui vous coiffe comme ça? On dirait une coiffure de maître d'hôtel. Oh, tournez-vous donc un peu. Là, au moins, vous avez l'air d'un artiste. Vous trouvez? Oh, les chiennes. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ah! Pardon. Veuillez vous tenir, même quand il y a du monde. Oui, mais c'est que, vous voyez, moi, je ne suis pas de bois, moi. C'est donc... bien, ça suffit. Oui. C'est une drôle de façon de comprendre l'amour. Il y a une première à deux jazzés ce soir. Ah, vous y allez? Non. D'accord. Restez assis. Que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on attend? Être obligé de faire le pot pour avoir du sucre. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être des gens. Hein? Mon mari! Votre mari? Oui. Non. Mon mari. Non. Tant mieux. Ma vengeance ne sera que plus complète. Cachez-vous, c'est pour vous. De la loi. Me cacher? Mais venez vous assez pour me disputer à mon mari? Mais certainement, mais c'est... Ah, vous ouvrez. Voilà. Voilà comme ça que je veux être à vous. Oui, oh Dieu. Oh Dieu de tous. Non. Comment ça maintenant? Comment ça maintenant? Maintenant ou jamais? Mais non, par exemple. Mais non. Ouais, je brise la glace. Vous voulez ou il brise la glace? Eh ben oui. Oui. Oh, la misérable. Cassez-vous. C'était vrai. Mais enfin, monsieur. Encore vous, monsieur. C'est bien souvent. Vous devez visiter madame. Dans cette tenue. Habillez-vous donc, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Madame, je suis le commissaire de police de votre arrondissement. Et je viens suite à la requête de monsieur Crépin Vatelin, votre époux. Non, je vous interromps. En flagrant délit, chez moi, au Potagnac. C'est très bien, monsieur le commissaire, je connais la tirade, je l'ai lue ce matin. Eh bien oui, monsieur Pontagnac fera ce qu'il veut pour essayer de me sauver. C'est son devoir de gentilhomme. Mais moi, je veux que la vérité soit connue de tous. Et si je suis venue ici, ce n'est que pour voir mon amant, monsieur Pontagnac. Ah, là, vous. Et je vous autorise, monsieur le commissaire, à consigner cet aveu
au procès verbal. À mon tour maintenant. Ma femme. Ah. Veuillez consigner également, monsieur le commissaire, que moi, Clotilde de Pontagnac, femme légitime de monsieur, vous m'avez trouvée dans cette maison où j'étais venue comme madame retrouver mon amant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Adieu, monsieur. Oh, malade. Nous avons besoin de vous. Monsieur, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a un amant. Où est-il, ce malheureux? Que je l'étrangle, que je le tue! Il veut faire du mal à mon enfant, à mon Ernest! Ah, qu'il se montre, ce lâche, qu'il se montre! Hé, hey, ne voyez-vous pas qu'on se moque de vous? Et madame Pontagnac elle-même, ne comprenez-vous pas que c'est là un jeu de femme outragée et non le fait d'une épouse coupable? Oh, je saurais, hein, En attendant, nous avons besoin de votre présence. Où y a-t-il de quoi écrire? Voilà, monsieur le commissaire. Merci, monsieur. Veuillez me suivre, monsieur. Et madame? Eh bien. Mais pensez qu'on a une femme légitime et que c'est précisément elle qui vous prend, enfin, c'est dur, allez. Maintenant, quoi? Voulez-vous me permettre de vous parler en toute amitié? Ah, je vous en prie, mon ami. Eh bien, Vatelin, mon ami, vous êtes un imbécile. Ah, vous croyez? Oui, absolument. Un imbécile trompé. Mais non, pas trompé. C'est justement en croyant cela que vous êtes un imbécile. Enfin, voyons, est-ce que le simple fait de vous écrire « Venez chez Rédillon, vous m'y trouverez dans les bras de mon amant » n'aurait pas dû suffire à vous éclairer? Une femme qui trompe son mari n'a pas pour habitude de lui envoyer des cartes d'invitation. Oh, c'est vrai, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'elle avait raison, celle d'exaspérer la jalousie de votre mari. Et je vous dirais même comme le commissaire tout à l'heure, ne voyez-vous pas là la comédie d'une femme outragée qui se venge? Mais enfin, tout l'indique, cette mise en scène, oui. Ce costume, la grande Élie. Oui. Ce choix de Pontagnac, elle ne connaissait que depuis hier. Oui. Choix que je connais, car elle a proposé le rôle à moi, que j'ai refusé, et pour cause. Ah, mon ami, mon ami. Eh bien, mon ami, vous n'êtes guère tacticien. Ah. Vous avez donné dans le panneau. Ah, je suis avoué. Ah, je suis content. Que je suis content. Ah, la joie fait peur. Ah, que je suis content. Allons, voyons, calmez votre joie. Oh, mon ami. Soyez bon. Allez dire à ma femme que je n'aime qu'elle, ce qui est la vérité. Et faites-lui comprendre qu'elle a en moi le plus fidèle des époux. Après votre équipée d'hier soir? Oh, mon équipée d'hier soir. Ah, j'aurais voulu que vous y assistassiez à mon équipée d'hier soir. J'aurais craint d'être indiscret. Ah, vous auriez pu venir, allez, hein. Oh là là, sacrée anglaise. Ah, avec des pieds. Oh non, j'aurais dû vous rapporter une de ces chaussures. À moi qui, en dehors de cette aventure d'outre-manche, j'en sais bien que vous êtes idiot d'avouer cela, n'avez jamais trompé ma femme. Il a fallu qu'une fois à Londres, un mois d'absence, pas de femme. On n'est pas de bois, hein. Enfin, je croyais au moins que c'en était fini. Ah bien oui, elle est venue me relancer hier, jusqu'à chez moi. On parle des maîtres chanteurs, on ne sait pas ce que c'est qu'une maîtresse chanteuse. Elle m'a menacé d'en esclandre, et j'ai eu peur de troubler le bonheur de ma femme, et j'ai cédé. Quel malheur qu'elle ne puisse pas vous entendre. Ah oui, quel malheur qu'elle ne puisse pas m'entendre. Parce que je sens que je la convaincrais, qu'elle me croirait. Je me ferais, oh, si petit, si repentant. Elle verrait tant d'amour dans mes yeux qu'elle n'aurait pas la force de me repousser. Et dans cette main que je tends vers elle,
Elle mettrait sa petite main et j'entendrai sa voix adorée me dire « Mon crépin, je te pardonne !»« Mon crépin, je te pardonne !»« Toi, oh méchante, que tu m'as fait mal !» Et toi, dis donc, oh, je t'adore! Oh, chérie! Je vous aime bien, moi, tous les deux! Oh, elle était bien, moi, enfin! Le procès-verbal est terminé, si vous voulez en prendre connaissance! Le procès-verbal! Mais il n'y a plus de procès-verbal! Il n'a plus de raison d'être, le procès-verbal! Allons, monsieur le commissaire! Allons déchirer le procès-verbal! Mais qui est-ce qui m'a donné des girouettes pareilles? Eh bien? Eh bien? Eh bien, alors c'est remis? Bah, c'est remis! Et pour moi, c'est fini? Oui, c'est fini! Mais vous vous rappelez de ce que m'a dit la somnambule que j'aurais deux aventures romanesques dans ma vie? La première est passée, et la prochaine à 58 ans. Oh, 58 ans! Ça vous tente? Bah, c'est que je serai bien fatigué à 58 ans. Toujours alors? Eh bien voilà, c'est réglé! Quant à vous, Pontagnac, je devrais vous en vouloir. Mais je n'ai pas de rancune. Et la preuve, je donne à dîner tous les lundis. Voulez-vous être de mes fidèles? Mais comment vraiment? Ah, c'est le « nous sommes entre hommes ». C'est le soir où ma femme dit chez sa mère. Oh, avec plaisir. Je n'ai vraiment plus rien à faire ici, moi. Et si un jour la folie vous reprenait, eh bien, prévenez-moi la veille. On ne déjeune pas alors? Si. C'était écrit, hein? Je suis le dindon.